à la chronistique. Salut. Eh bien, petite voix quand même, hein, petite voix, qu'est-ce qui se passe? Voix du dimanche soir. Ah, et voilà, dimanche soir, dimanche après-midi, tu veux dire, parce que voilà, on est bien avant le Grand Prix, bien sûr. Comment dire, écoute, d'abord, juste, comment est ton état d'esprit en ce moment, dans cette saison, à 2 GP de la fin? Bah, juste finir les GP en rapportant quelques points et ça ira très bien. Et Alfa Romeo, je veux dire, comment dire, avec Zach Lincoln, une saison quand même pas mal. 11e place pour Zach Lincoln et 14e place pour toi. Et comment dire, et une 6e place pour Alfa Romeo. Pas mal quand même. Bah, dans la constance du fond de grille, quoi, c'est sans doute l'écurie la plus stable dans le fond de grille. C'est ce Ça, qui parce compte. que y a toujours des points marqués et surtout des gros points marqués dans les Grands Prix du Japon et Abu Dhabi quand même, hein, 15 et 10 points. Donc ça inaugure, ça augure quand même de bonnes choses pour la suite. 14e place pour toi, est-ce que c'est une bonne, mauvaise, normale place pour toi? C'est la place où je dois être, honnêtement. Peut-être 2-3 places en plus, ça serait bien, mais bon, on verra si on y arrive. Bon, en tout cas, tu te bats avec Rohr pour la 13e place, hein. T'es à un point de lui et à 2 points de toi, il y a quand même Vexar aussi derrière toi. Vexar qui a eu un ban de qualification, on vient de l'apprendre par FIA voilà, pour aujourd'hui, donc c'est quand même bien pour toi. Est-ce que tu penses que tu peux aller chercher Rohr ou pas? Ah bah, si Rohr fait des erreurs, oui, c'est largement faisable. Let's go, et dernière question, sinon avec Zach Linking, comment ça se passe? Oh bah, très bien, très bien. C'est la puissance finlandaise dans les paddocks à chaque fois. Ah, la puissance suédoise plutôt, je crois. Ah non, 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 moi c'est la finlandaise. Quoi? Oh, et donc, bah, tu nous as fait le privilège de nous accompagner Pani pour un tour à Spa. Et écoute, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez. Et donc, on arrive tout droit sur ces deux derniers virages, cette petite chicane. Et on va commencer avec cette première zone de DRS sur ce tour lancé à Spa. Donc voilà, première zone de DRS sur la ligne de départ arrivée. Premier virage à la source. Voilà, virage à la source. Attention, parce que la réaccélération est très importante. On arrive surtout au deuxième virage à la zone de détection de DRS. Et au troisième virage au rouge. Attention à ne pas confondre avec le rayon. Le rayon, c'est juste ici. Voilà, sur le gauche. Cinquième virage. Sixième virage, Kemmel. Et zone de DRS très, très, très importante. Celle-là, on va voir quand même pas mal de dépassements avec cette zone de DRS. Freinage. Attention à pas être trop loin. Attention aux vibreurs qui peuvent être assez piégeux. La sortie de piste qui peut être très facile ici sur, comment dire, ce virage-là. Virage 10, le rivage. Voilà, très très à très très basse vitesse. Virage 11, attention au mur bien sûr. Et là on arrive au virage 12, virage pourron. Et là attention à ne pas trop mordre le virage intérieur, hein, sinon c'est directement le spin. On sait que je crois que c'est Foxer qui en a fait les frais vendredi. On arrive bien sûr sur le virage 13, Fagnès. Ajouter à ça le virage 14 et 15 juste après. Voilà, une petite portion assez assez facile entre guillemets, quand même la technique. Virage 16, Stavelot. Et la grosse ligne droite. Alors, on peut dépasser, mais c'est très très compliqué. Il faut savoir, voilà, le virage 17 et 18 qui arrivent. C'est compliqué de dépasser si les deux pilotes ne se respectent pas. Et on arrive bien sûr au virage 19, bus stop. Et le virage 20 qui clôture ce tour de Spa. Et en tout cas, vas-y, parle-nous un peu de ce circuit. Est-ce que tu te sens bien à la connectique avec ce circuit? Bah, le circuit, ouais, je l'apprécie plutôt bien. J'appréhende quand même énormément le départ sur le premier virage. On va Ouais. pas se le mentir, c'est un endroit qui est assez compliqué. Bon, les raidillons à deux aussi qui peuvent être sympas. Enfin, plutôt les sorties de la montée de l'eau rouge à deux. Qui peuvent être très très sympathiques. Et puis après un Ouais. circuit qui moi me tient un peu à cœur parce que étant fan un peu de Formule 1, de sport automobile du coup Ah, c'est pas être reconnu. on se rappellera de notamment il y a peu de temps la mort d'Antoine Hubert dessus au niveau du Yes, yes, raidillon. yes. Donc en espérant que ce soir personne ne fasse la même chose.
Ah, on a vu en lycée, il y a eu beaucoup de tracas en révision, mais comment dire, est-ce que toi, un cercle comme ça, où il y a peut-être potentiellement beaucoup de safety car, c'est un peu compliqué, toi qui es souvent sur des relais avec beaucoup de gomme dure, je veux dire... Bah, du coup, justement, c'est peut-être le circuit où il va falloir que je travaille autrement. Ouais, c'est vrai que ça va falloir il va falloir innover avec ce circuit et est-ce que Je vais tu devoir mettre penses une des place? gommes qui me sont inconnues, des gommes rouges, je connais pas ces gommes. Ah c'est normal, t'en as sur ta voiture du rouge, tu devrais connaître. Comment se dire, est-ce que t'as une sorte de un top 10 peut-être ce soir ou un Honnêtement, outil? juste une dixième place serait Une une dixième bonne place? chose Ouais. au vu du temps que je mets sur le circuit. Ce serait une bonne chose, une dixième place, voilà. D'ailleurs, on aurait peut-être de la pluie, il paraît, peut-être ce soir, d'après des simulations de météo. D'après les simulations, oui, qu'on a eues aussi Ah, il chez y a Alfa eu. Romeo, de la pluie en fin de GP est possible. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à l'Inchronistique de m'avoir accompagné durant ce tour. Ce fut un privilège. On espère que tu vas réussir cette course. Merci à toi, Gary. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau Grand Prix, surtout ce nouveau Tour 2. Et aujourd'hui, on est accompagné de Anachronistique, c'est Anachronistique. Salut. Eh bien, petite voix quand même, hein, petite voix, qu'est-ce qui se passe? Voix du dimanche soir. Ah, et voilà, dimanche soir, bah, dimanche après-midi, tu veux dire, parce que voilà, on est bien avant le Grand Prix. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue! Bienvenue! Et aujourd'hui, je suis en compagnie. Je suis en compagnie. Voilà, on est à Spa, on est à Spa, bonjour, et on est avec Thomas Zer. C'est Thomas Zer! Bonsoir, Bonsoir, comment allez-vous? bonsoir! Et oui! Il y a un stream, les gars! Salut Asmode, comment ça va? Bah ça va, écoute, un peu en retard mais ça va, tout va Il n'y a pas de bien. retard, t'inquiète pas. Alors là, vous avez une image GP de Belgique qui vient de se passer, le petit truc test, mais on va vous mettre directement ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Hein, clairement, on va vous... Voilà, hop, ce qui s'est passé à Abu Dhabi, boum. Comment dire... une victoire des ZX. Une victoire des ZX, hein, on s'en souvient. Incroyable quand même, hein, Masterclass. une masterclass des ZX, hein, plus 22 secondes par rapport à Mochon. C'était quand même pas mal du tout. Ouais. Comment dire, bah, pareil, juste le temps que je fasse les paramètres là vite fait. Pour vous, Spa, qu'est-ce que vous attendez pour Spa là? Franchement, pour moi, ça va être Tom. Je pense que Tom, Tom! ça va être la surprise de Spa, ouais. Je pense qu'il va se passer des choses dans le Grand Prix qui vont faire que Tom il va réussir à garder la tête et enfin il va peut-être pas être premier dès les premiers tours ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il va faire une bonne course et il va réussir à finir le premier. Ok, Voilà. pas Ouais, mal, pas voilà. mal, J'ai je suis confiance en sur... lui. Et toi, Thomaser? Moi je pense qu'on aura ZS comme d'hab Ah, et Mofu je direct de pense qu'il va gala, tu pouvoir veux faire. dire? Ah, parce Ouais, et que... Mofu qui va faire une grosse perf, je Parce pense. que je vois, Donc. on va se rappeler le classement, bien sûr, entre la qualif et la course, qu'on aura un peu de temps pour parler par rapport à ça. Mais d'ailleurs, il faut que je mette un petit message, bien sûr. Oh oui, ok. J'ai eu un message, j'ai eu peur. J'ai eu un message, j'étais genre, qu'est-ce que j'ai fait comme merde? qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Comment dire? Juste mettre un petit pilote League B. Moi, les gars, moi, je vois un Brutix. Moi, je vois un Brutix ce soir. Moi, ce soir, je vois un Ah ouais? Brutix. Tu vois Boutique ce soir? Ah, c'est un quintet plus, les gars, comme je vous l'ai dit. C'est un quintet plus. C'est un quintet plus. Voilà, moi, je vois un Brutix. Hop. Hop. Voilà, moi je vous dis, je vois Brutix. Parce que je me dis, voilà, il est deuxième. Il a envie de tout donner. Il a envie de tout donner. Il va tout donner. Et en tout cas, voilà. Et en tout cas, bah, merci. Bah, salut, Monsieur Shift. Baz, Bouzam, Foxer, Shipper. Et Stanley Ipkiss. Et qui veut dire, et qui dit Vexar Podium. Alors, ça, bon, déjà, il est ban qualif. Parce que voilà, Master Zoc et Vexar sont ban qualif. Ouais, c'est des Suite petites parce dingueries. que Vexar a eu 3 avertissements, donc il est ban qualif. Et Master Zoc a prévenu un peu trop tard de son absence. Voilà, c'est ça, c'est aussi ban qualif. Donc voilà, donc on a 2 ban qualif, 18 pilotes. Pour vous, ça finit à combien?
Ça finit à combien là ce soir? J'ai mis 15. Ah bah j'ai mis la même. J'ai mis 15. Bah écoutez, moi je vais faire mon pronostic quand même en même temps les gars. Je vais faire un petit pronostic en même temps. Ah bah bravo, ça triche. Comment ça triche? Oh. Pardon. Oh. Tu vas te virer toi. Et oh. Bon, je sais même plus où sont les pronostics, donc bon bah c'est pas grave. C'est dans un pronostic. Ah c'est mon pronostic F1. C'est dans mais incroyable ces emotes. Et oui. C'est pas grave. Voilà. Merci Bouizab. Voilà, il me fait les trucs. On a de nouvelles emotes. VMV avec le 1 VMV 1 an et la coupe. Premier et bien sûr le crash, les modes crash, oh là, la zone qui fait et ouais je fais ça sur Paint ça. Et aussi voilà, et aussi on a les badges de sub un mois, deux mois, et Azman je suis la meilleure en fait, c'est juste la meilleure, là, le guerrier A et comment dire, et surtout que là voilà il y a VMV un an et alors attendez, est-ce que ça a bugué, attention. Voilà, boum. Parce que bon... Comment ça? Ah, attendez. En fait, moi, là, ce qui se passe, c'est que... Non, ça s'est supprimé, au secours. C'est pas mis, en fait. Juste, voilà, c'est juste un bouffe. J'en ai marre. Maïs, c'est de la merde. Hop. Ok. La source VLC, j'arrive. J'arrive. On t'entend plus. Comment ça? Comment ça, on m'entend plus? À l'entrée? Bah ouais. Si, si, non, on t'entend. On m'entend? Même peut-être pas sur le lieu. Ah si, c'est bon, ah, on m'entend. Okay. Ah, si, c'est bon, c'est revenu. Bah, ah oui, non, c'est que sur le deuxième, j'avais pas mis. Par contre, je viens de me poser une question, c'est que j'espère que je suis en. Ouais, c'est bon. Oui, c'est mais bon, maintenant, comme c'est comme des fois ça s'enlève. On fera l'annonce juste après. On fera une annonce jusqu'après. Oui. Voilà. Entre la qualif et la course. Voilà, on passe à la. À la course. Qui veut pas entre se la qualif. Ah c'est bon. Voilà, ouais, c'est bon, c'est bon. Oh là 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 là. On t'entend plus, Gary, qu'il a créé sous Pain's menu. Ah c'est. Bah écoute, moi je suis un graphiste. Hein. Je suis un graphiste. Mais donc on est parti pour la qualification. On verra ouais. les soucis juste après. Voilà, c'est. Écoutez les gars, au bout d'un moment, voilà. Je peux pas gérer 36 000 trucs. Non, j'ai qu'un. Mais c'est quoi comme météo qu'ils ont ce soir? Alors. C'est temps sec. C'est légèrement nuageux. Et après dynamique. Donc ça peut partir soit donc en beau temps, soit ça part en pluie. Partir à pas mal de, ouais, pas mal de ouais. choses. Donc après, est-ce que Pierre Asmode ou Thomas Hazard, vous pouvez aller chercher la pêche aux infos peut-être parce qu'ils sont pas encore partis. Donc pourquoi pas y aller. Mais est-ce qu'on ferait pas ça avec le Paulman qui vient après en. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire ça. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est juste qu'on se fait chier là, personne qui sort. C'est bon. Personne, quelqu'un sort. Quelqu'un sort. C'est qui sort. Une Mercedes qui va sortir. Une Mercedes. Attention. Ça va sortir vite. Sortez s'il vous plaît. Ça sort. Allez, dépêchez-vous là, on s'ennuie. Allez, Mamochon. Mamochon qui est le premier. Mamochon, allez. Bon, bien sûr, si vous avez suivi comment dire le début du live, vous savez qu'est-ce qui se passe sur Spa et quels sont les noms des virages. bien sûr, tout à fait. Donc okay. Là, on arrive dans l'eau rouge. Au rouge, ouais. Ouais, ensuite, on arrive là, on entame le Rédillon. Voilà. Ouais. Pour finir ensuite sur une énorme ligne droite avec une bonne zone de DRS. Ah, c'est bien là longue. Déjà qu'il y a un virage que t'as loupé déjà. Pour moi, il n'y a pas de virage. Ah bah super, juste en si, y a, c'est alors il y a au rouge Rédillon et après c'est je sais plus, je t'avoue que j'ai oublié. Bah tu sais plus. Bon, en tout cas Mamochon lui c'est il conduit. hello salut Dayard, bonsoir à tous à l'Ener Racing Point, salut Selim. Voilà, j'ai eu un son sur mon portable. Yes, hop là c'est bon. N42.4 pour Mamochon nous dit Stanley. Non, on va voir. Elle s'était joué en quoi la pole en Liga déjà? Bah en Liga, nous c'était sous la pluie. Ah, c'est vrai. Donc déjà, c'est un peu différent. Voilà. Bon, on a une référence, c'est Lani en Ligue A qui a fait, ou je sais plus, oui, c'est Lani 1.42.4 il me semble. 1.42.4, mais quand ça? Ouais. Vendredi.
Ah mais ok oui, en Ligue C alors. En Ligue C oui, mais c'est... Ah pardon, j'ai Liga. Ouais non, excuse-moi, il a le niveau Liga donc du coup... Oui ça, donc une non, 40... j'ai... Ok, je suis Batman. Ouais, c'est une 42.4, mais c'était sous nous, c'était sec. Ouais. Donc entre légèrement un jeu et sec, il y a quand même, je pense, une toute petite différence. Bah, peut-être. On la verra peut-être un peu moins à la fin de la qualif. Peut-être ouais voilà, la fin je pense qu'avec la piste... Un peu moins de problèmes. Et Mamolochon il lance là, ça y est, c'est parti. C'est parti pour Mamolochon. Donc voilà, donc grosse ligne droite, attention ce premier virage, au départ ça va être une boucherie je sens, hein, le premier virage. Bah, là, ça, ouais. En vrai en Liga ça a été presque parfait, hein. Il y a juste eu quelqu'un. Oui, il y a juste eu Kaiser, c'est Kaiser One qui a tapé un peu. Mais... Qui a tapé, mais sinon c'est presque tous propres, hein. Vraiment, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Comme quoi la Liga c'est vraiment la ligue du prestige, mais non, je veux dire, mais exactement, quoi. D'ailleurs, on peut dire aussi que voilà, les inscriptions sont revenues pour la saison prochaine. Donc ouais, si ouais, ouais. Les intéressés, voilà, faut vite aller faire l'académie les gars, faut vite aller faire l'académie pour que on puisse puissiez peut-être participer à la saison prochaine, on ne pourra pas être en remplaçant, il y a des choses qui se préparent, etc. Donc n'hésitez pas à venir sur hey, Thomas Zer, oh, il est bon, oh, il est bon, ah, je parle, point d'exclamation Discord, cliquez dessus, vous rejoignez la VMV pour conduire la saison prochaine, bien sûr, avec nous. En tout cas, ce sera donc le dimanche pour la Ligue B à 18h et la Ligue A à 21h. Alors moi ça va être sport maintenant, hein. Même nous trois, hein, ça va être sport, hein, si vous voulez continuer. Ouais, ça va être sport. On caste et ensuite bam la Ligue quoi. C'est ça, c'est voilà. On... Vraiment, ah, c'est... secteur 2. C'est lui, comment Easy on va Easy Caspin. Easy Caspin. Il a cassé ou pas, je sais pas. Non, il a pas cassé, il a juste spin, ça va. Il a pas cassé. Mais il y a un champ qui va finir son tour. Hein. Il y a un champ qui va finir son tour. Tu, ouais. Tu as eu une bonne du coup ou pas? Pas de télémétrie ce soir. Si. Comment ça pas. Ils ont pas encore démarré trop tard encore, si. Non, c'est ça. Bon. Comment ça pas. Attention pour Mamochon, ça va être quoi pour le premier tour? Attendez, on règle ça après. Allez, on ça sera vous. Une 43. Pour... Bah ça. Une 43. C'est un bon temps. C'est un très bon temps. Un outil. Ah, Tom qui a annulé, dommage. Ah mais il tentait en médium Tom et il a annulé. Ah, il a tenté un petit médium. Tant pis, pas grave. ZX aussi qui tente avec des médiums, en effet. Arpeto qui va finir son tour aussi. Alors, s'il tente un médium, c'est. Oh là! Oh ZDX! Oh ZDX! Oh là 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 là! Oh le rattrapage! Wouah! ZDX, il a failli finir dans le mur! Et Firma, et 44-2. Qui n'avait pas de. Qui n'avait pas de setup. Oh, c'est Craft 3, c'est. C'est Easy qui rentre au stand. Ah bon, ZLX il a failli mettre fin à son règne. Hein. Zerglinkin 43.6. Pas mal. Despooky, on va le suivre. Alors beaucoup de médiums. Despooky annulé. Guillaume. Alors Guillaume, est-ce que ouais, si Guillaume, son médium, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de save? Parce que par aujourd'hui, il y avait beaucoup de simulations et beaucoup de pluie à la fin de la course, il paraît. Ah oui. Ouais, donc c'est possible qu'ils essayent de partir en médium pour les garder jusqu'à la pluie. C'est dans toutes les simulations qu'il y a eu aujourd'hui, il y a eu de la pluie à un moment. Oh, c'est Mamochon, secteur. Ah non, il laisse passer. Ok, il laisse passer, c'est bon. Et Guillaume qui va finir son tour. Guillaume qui va finir son tour. Est-ce que un doublé une... Et non, une 43.9. Et Kilono, une 43.3. Et Nono, une 43.3. Très beau temps. Doudaon qui commence son tour. Et Baz nous dit attention à entrer les stands pour les pilotes. En effet. Ouais. Brutix aussi qui va finir son tour. J'aurais juste un petit truc les gars. Vous qui prend l'aspiration qui prend l'aspiration de Mamochon. Je suis pas fou quand même. Je suis sur Doudan pour l'instant. Non, Brutix, c'est on est sur Doudan. Une 42.6. Ah d'accord. Ouais, bah, j'ai encore une désynchro avec Brutix du coup. Aïe aïe aïe. Coup dur. Donc c'est pas grave, pendant la course je ferai pas attention à lui. Vous me direz comme ça où est-ce qu'il est. Il est là, ok. Il est là. Par contre une 42.6 c'est beau. Ouais, après la piste a chauffé, là, ça fait quand même 7 minutes. Ouais, ça commence. Et du coup ouais, Despooky qui tente vraiment en médium, donc je pense si même lui il tente, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait de la pluie en milieu de course. Ok, donc il a un peu avant. Il a remis directement des Spooky là, avec ses nouveaux pneus en fait. Enfin, ses anciens pneus. Il a déjà fait un tour avec non, ses médiums. Ouais, genre il est même pas rentré. Ouais, il a refait un tour en Skidric. Et Doudaon et Doudou. Ouais, le doublé McLaren. J'ai pas vu que j'étais en pause.
Brutix deuxième aussi. Pour l'instant, c'est un 1-2 des McLaren. Secteur 2, c'est Easy qui a annulé. Mais bon. Et si on suit Batman, ça veut dire que Doudaon est dans le rythme de Bamouchon. C'est une 42.4. Est-ce qu'on aurait... Ça me paraît abusé, mais... Oh, est-ce qu'on a... Parce que, enfin, on va le revoir juste après avec le classement. Mais il y a quand même de belles dingueries dans le classement dans la Ligue B. Hein. Ça se joue entre la deuxième place et la sixième. Sixième, ouais. Il y a 12 points d'écart. Ouais, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout quand tu vois toute une saison. Et là, il y a R qui va finir son tour. C'est Spooky qui finit son tour aussi. En médium, une 43-8. Une 43-8, ouais. Il fait quoi, c'est des Dex? Ah, il y a Spino, quoi. Okay. Ah, ouais, c'est des ex qui s'est loupé encore dans le. Ouais, apparemment. Mais c'est le même virage, hein. Ouais. Est-ce qu'il a cassé ou... C'est bizarre. Ouais. Erk, 1.46.6. Ça, c'est le tour d'Asmode. Ouais, là, on est plus vers le tour d'Asmode. Ah, super. Ah, le bâtard. C'est comme ça. Rappelle-moi combien t'as fini mercredi. Ouf. Je pense surtout à la France maintenant. En tout cas, Tom qui fait son tour, les gars, on caste. Écoutez, on parle pas de la Liga là, on parle de la Ligue B. Ouais, on est voilà. Sur la Ligue B. Et Vexter Cameron! Oh, Vexter! Ah, mais c'est normal, il est pas de qualif! Comment t'as dit encore Vexter? Vexter Cameron! En tout cas, il m'a dit que ça ne le gênait pas, donc on peut le dire. Moi, tant que quelqu'un me dit pas que ça le gêne, moi j'en profite. Oui. moi, je tisse en pseudo jusqu'au bout. Ouais, c'est comme plein de potes. Voilà, c'est un peu du viol de pseudo, quoi. Potes. On pourrait porter plainte. Je veux dire, c'est. Drapeau jaune, non, c'est juste une Williams qui laisse passer, je crois. Ouais, c'est ça. Slicotti. Attends. Non, c'est Despooky qui laisse passer. Despooky qui laisse passer. Ça va faire combien? Attention, on en Tom surtout. Tom. Ah non, mais Tom deuxième. 42, Tom. 5, deuxième, ouais. Tom deuxième. Et ouais, faut savoir lire. Savoir lire. Il y a quelqu'un qui vient de faire un temps, je crois, là. Zergling King, 7ème, non? C'est Zergling, c'est Zerg, ouais. C'est Zerg. Oh! Ouais, c'est encore annulé, c'est mon Alex! Oh là là, c'est peut-être parce que j'ai voté pour lui, hein. Oh non, mais voilà. Je vous le dis, moi, voilà, je suis. C'est sûr. Est-ce qu'il y aurait pas aussi une sorte de pression, comment dire, une pression de, du champion. Genre de se dire que là, si on fait une bonne course, on est champion, quoi. Je pense qu'il y a aussi une petite pression. Ouais, c'est possible. Et Easy 11ème en tout cas aussi. Et quand même, Equino encore 5ème, hein, je veux dire. Equino, c'est pas rien. Ouais, pour l'instant, il est très bien placé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il a plus de naissance en fait. Il a refait un tour de plus, donc en effet. Et Mamochon qui va repartir pour un tour. Je crois. Ouais, c'est ça. Qui va repartir sur un tour, Mamochon. Troisième tour. Attention à pas se faire gêner devant par Firmax. Il est en tour lancé. Ouais, il est en tour lancé. Donc bon, là, c'est bon. Il y a assez d'espace quand même entre les deux, mais bon. On va regarder Firma parce qu'on a déjà regardé Mamochon. On va regarder Firma. On va regarder Firma, ouais. Et une petite McLaren qui est passée, très très bien joué. Ok, 93 millième de... Attends. C'est la McLaren. 93 millième de gagné pour le premier secteur pour Firma. Ah, annulé Mamochon, aïe aïe aïe. Ah, Mamochon annulé, c'est dommage ça, hein, parce que là c'est des... Ouais, c'est pour vous, Doudaon, Tom, Brutix, Mamochon, c'est un gros combat là, pour qui va monter en Liga. Hein. Secteur 2, tout va bien. Parce que pour vous dire, pour vous réexpliquer, les trois premiers montent en Liga. Et les trois derniers de Liga descendent en Ligue B. Et donc là, il y a vraiment un gros combat entre 7 pilotes pour savoir qui va. Mamochon qui spin. Mamochon qui a spin. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont un problème tous avec ce virage. Hein. Ah, ce virage, il est. Contre-peur de ZLX. Relancerait tout. Ouais. Ouais. Alors, pour que ça relance tout, faudrait vraiment que ZLX abandonne. soit pas dans les points. Et que Brutix, par exemple, soit premier avec le meilleur temps, tout ça. Enfin, c'est. Ouais. Ce qu'il a 35 points d'avance, hein, pour vous dire. Hein. Il a. Oula, j'ai eu une image. Et qui finit son tour. Attention. Attention, il y a ça va plus être... de. Oh, ça va être un beau temps, hein. Ça va être un beau temps. 43-2. On prend une place. Ouais, c'est Zergling King qui a meilleur de 2 dixièmes pour l'instant. Zergling King, ça lui ferait. Oh! El Capeto!
Non, ça, je crois que c'est Carpeto aussi, quatrième. Oui, oui, quatrième. Et Carpeto, quatrième. Il n'a pas de trade, il est là, ok. Allez hop, Zerglinking annulé. Hop là. Ah, Zerglinking, dommage, dommage. Anachronistique, tiens. Voilà, et Guillaume, Guillaume qui est meilleur de 7 dixièmes, donc ça le fera remonter déjà 6ème. Je regarde Anachronistique, qu'on a déjà vu bien sûr dans le tour de 3 petits points, mais bon, on va quand même le remater. Alors, attention Guillaume qui termine, qui va finir. Ouais, hein. Guillaume vite fait, attention oui, Guillaume. Et c'est une 4ème place. Pas mal du tout, pas mal du tout. Ah, et ça donne l'aspiration entre les deux Alfa Romeo, peut-être pour la ligne droite, s'il me semble. Ça va pas un peu loin quand même pour ma aspiration là. Ah ouais, non, non. Ça va pas un peu loin. Hein, Anachronistique finit sur. Ouh là là, il est monté sur le Vivarana ouais, par contre. Non, non, c'est annulé. Hein. Attention, et Anachronistique. 11ème place, écoute, pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Slicotti qui a fait son tour, Slicotti. Ouais, ouais. Il a plus d'essence. Comment ça mais... Il a passé. Ouais, mais ça peut clignoter, je crois, au bout du. Quand il reste moins de 2 tours. Quand t'as moins d'un tour, même. Quand t'as moins d'un tour, je crois que ça clignote. Brutus! Brutix! Une 42-300! 42-300! Oh les McLaren! C'est quoi cette semaine? Oh les McLaren, elles sont là pour manger. Alex va vouloir se qualifier. Eh oui, et Doudaon, il est repassé devant Tom, non? Bah là, Alex, il a déjà jeté ses médiums. Il a déjà jeté ses médiums, Alex. C'est fini, hein. Là, il est en train de faire. Il va se lancer en soft, je vois. Ouais, Slicotti, attention, Slicotty, ça va être un beau temps quand même, Slicotti là. 9ème! Une 43-6, 9ème, très beau temps. C'est pas qui fait des dingueries! Ah, bah là, franchement. Et on va re-suivre ZLX, hein, écoute, parce que Master Zoc, lui, n'a pas voulu faire de temps. Peut-être qu'il s'est traîné un an, mais qu'on l'a pas vu. Parce que oui, voilà, Master Zoc, il va être ZLX, ouais. Allez, ZLX, c'était maintenant de prouver que. Bah, tu vaux ta place de champion. Les McLaren en feu nous dit gang de loutres. Attention, ZLX. C'est bien, Slicotti se décale. Il veut pas le. En plus, il peut de l'aspiration. ZLX qui prend l'aspiration sur Slicotti. C'est très très bien joué de sa part. Attention, parce que là, il a que un tour. Hein. Là, il a que un tour, donc faire attention. Ouais. Hein. Vaut mieux, je pense, la jouer. Vaut mieux la jouer tranquille. Et c'est soit il tente le tout pour le tout, soit il la joue tranquille. En effet, en effet. Attention. Ouais, c'est propre. Attention à sa bête noire, le long virage gauche. deux fois qu'il a annulé deux sur ce virage. Ouais, c'est encore large, hein. Il a décroché un peu. Je pense qu'il a plus peur. Là, il avait peur. Il s'est dit là, je fais ça calmement. Ouais. Et puis voilà. Ah, attention. Voilà, oh, bien. Pas mal, hein. Et si, le plus ah, c'est. Ici, franchement, ça a l'air d'être un bon ici, final. Là, ouais. Ouais. Normalement, c'est bon là. Si on sort pas trop large, ouais, ça va. De ce que j'ai. Je vois quand même, ça a l'air d'être un bon temps. Hein. Salut, ah bah là, je pense qu'il va être. Pour moi, il est. Pour moi, il va être dans le top 3 là. Ça m'a l'air quand même pas mal, hein. Allez, mon garçon. Pour moi, top 3, je vous le dis. Allez, viens mettre une clim, tout seul. Oh, attention, une 35, 36, 37, 38. 39, ça a l'air bien, 40, ça a l'air bon, ça a l'air 41, bon pour le pole, ça a l'air bon pour 42, la pole. Et non, 4ème position. Et attention, on a un nouveau follow de ta mère, 937 kilos. Et oui. En vrai, y'a pas un pseudo un peu bizarre, genre ça veut dire quelque chose d'autre. Non, c'est ta mère, c'est ta mère. Ouais. C'est ta mère. Ouais, c'est ta ah mère. Oui, c'est ta mère. Ouais. C'est ta mère. Hein, y a pas un double ouais. Sens, les gars. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il on y... a. Non, on a. Qui c'est qu'on a encore? Ouais, il est pas en tout. Hein. Louis. Qu'on s'appelle Louis. Non. Il a juste mis Louis. C'est ton prénom? C'est Louis. Louis. Roar qui prend la vitesse. Ouais, Roar là par contre, on l'a vu se décaler à une vitesse. Attention, et donc Tom qui meilleur de 42 millième. Mais Tom qui est deuxième en fait, j'ai même pas vu. Et Tom qui vient de passer, ouais, qui vient de s'intercaler entre les McLaren. Attention, à 3 centièmes de Doudaon. Ah mais là c'est le masterclass de Brutix. Alors Brutix premier, ouais c'est ça. Ouais. J'y croyais jamais moi ça. Hein? Mais Brutix il sort, il y a encore un bug d'affichage, non? D'accord. Mais comment ça? Mais il reste 30 secondes pour nous. Ouais. Oui, non, mais il reste 30 secondes, mais ça se trouve. Mais il est en train de faire un tracteur là. Ah non, il est au début. J'ai dit, je pensais que c'était le début. Ouais, donc, ouais. Ouais, il a coupé complètement. Il fait quoi?
Ah, faut arrêter, hein. Ah, mais il essaye, je pense, c'est pour essayer de finir. Ouais, non, mais reste 10 secondes. Ils ont plus d'essence. Attention, Roar. Oh là oh là, y'a un aileron. Y'a un aileron sur la piste. Mais qu'est-ce qui s'est passé à lui? Ça. C'est. Oh, c'est des Zergling King. Zergling King qui a glissé son aileron. Ah, ouais, ouais. Oh là là, j'ai même pas vu, d'un coup j'ai vu un aileron sur la piste, c'est Roar qui avait roulé dessus. Oh là, incroyable, Roar qui a meilleur de 4 dixièmes. Et El Carpeto, okay, il reste 1 minute 10, juste... ah ouais. Il reste 1 minute 10. Ah, mais... ah ouais, donc ah, pour nous, okay, d'accord. Et Roar qui n'améliorera pas, d'accord, nickel. Qu'est-ce qu'on a peut... Attends, qui c'est qui va finir là un peu en dernier premier? ZLX qui arrête. Donc c'est bon, ZLX qui arrête, c'est fini. Tom... qui va commencer son tour. Ouais, non, qui rentre, tour ouais. Brutix qui va aussi commencer son tour. Attention, Brutix, ça va pas trop s'approcher de Tom. Oula, faut s'arrêter. Brutix. Attends, mais, ah, mais Tom il s'arrête. Ah, Tom il s'arrête. Oui, Tom il s'arrête. Ah oui, ok. Donc, ouais, les... Ok, donc c'est bon. Finalement, un mur un petit peu. Donc, c'est fini d'après ce que je vois là. C'est fini donc. Ouais, et Brutix, Brutix qui va pouvoir améliorer du coup. Là, il y a Firma là qui peut améliorer. Il y a quoi? Il y a Firma qui va ouais, qui Firma qui va à la fin. Ouais, Carpeto qui a annulé. Carpeto, ouais. El Carpeto. El Carpeto. El Carpeto. Firma, allez Firma. Oh non, Firma qui a annulé à la fin. El Carpeto qui a annulé. On a pas vu des Spooky 5ème, hein. Mamochon, des Spooky 5ème. Putain, c'est vrai qu'on a pas vu ça. Incroyable. Ouais, bien joué à lui, franchement. 5ème place en Williams, très beau. Mamochon, attention, Mamochon, Mamochon. Mamochon. Oh là, Mamochon. Mamochon. 5ème. Mamochon. On a qui d'autre après? On a Easy. Non, est-ce annulé pour Easy? On a Doudaron qui a annulé. Doudaron qui a annulé. Doudaron s'est annulé. Doudaron s'est annulé. Brutix. Il a un dixième d'avance. Guillaume qui a mis l'air de 2 dixièmes, je vois. Guillaume, en effet, qui a mis l'air de 2 dixièmes, pas mal. Canet Roussillon 1 ou M0. Mais non. Au secours. Oh yes. Je veux dire. Je suis content hein. Mais Attention Guillaume. Ah Guillaume. Ça a pas mal hein. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Sixième. Pas mal. Pas mal du tout. Et Kino qui. Ah, qui abandonne. Qui abandonne. Brutix. Attention Brutix. Camélior. Pourquoi pas une 42.2. La Ligue B. Oh non, oh non, non. Oh non, c'est terrible. Oh c'était terrible à la fin là. Ah dommage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a j'ai pas vu. Il a wiggle sur le vibreur. En tout cas, bravo. Bravo Brutix. À Brutix oh là là. Qui fait bon c'est serré hein, les temps. Ah ouais, entre les c'est serré du allez, il y a une seconde entre le 9ème et le premier quoi. Même pas. Enfin, une demi-seconde entre le premier et le sixième, quoi. Je veux dire, c'est... Ouais, ouais. Là, c'est quand même pas serré. Même entre le Zerg et le premier, entre le premier et le quatorzième, t'as une seconde. C'est rien du tout. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, interview et surtout. Il y a des annonces. Il y a des annonces, mais d'abord, interview, on va move ce Brutix. Mouvez-moi ce Brutix. Je te move. Mouvez-moi ce Brutix, c'est bon que vous faites l'interview, je gère plein de trucs. Allez-y. Et bonsoir Brutix. Yo yo yo, comment ça va? Et bien joué pour ton petit tour là. Ah bah, je suis content, j'ai enfin réussi à décrocher cette pole après tant de P2 que j'ai fait sur les premiers Grands Prix. On a enfin réussi. Pas trop, mais ça allait, on a traîné toute l'après-midi. Okay. Du coup, ça a été. Et ton objectif météo, ça donne quoi? Ah ouais, météo surtout, ouais. Ah oui, bah là, il y a 5 carrés secs et 2 carrés plus fines et plus fortes. Ah! C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont partis en médium, c'est le bon call. Ouais. Et du coup, ouais. Okay. Et du coup, je me fais niquer. Donc en fait, ta pole, elle sert à rien, quoi. Du coup, j'aurais dû partir en médium. C'est super! Non, après, mais franchement, c'est après. Tu vas peut-être pas te faire piéger. Ah, peut-être, ouais.
Et puis surtout que, enfin voilà, c'est quand même une pole méritée, je veux dire, faut pas que tu sois déçu du fait que tu partes pas en médium. Ah non, ça c'est pas un Sachant que ceux qui problème. sont derrière toi, ils ont la même stratégie que toi, donc. Ouais, du coup, Non, ça va le faire. voilà, ça va le faire, mais oui, t'en fais pas. Non, ça va le faire. On va Et essayer, ouais, hein. bon, en Non, tout ben ouais, mais cas, on est bravo. content pour toi que tu vas tenir. Merci, hein. Et puis, bonne chance pour la course, hein. Et du spectacle, on espère, hein, pour vous, Bien Caster. sûr, bien sûr, bien sûr. En Bien sûr, tout cas, il n'y bien sûr. aura Ouais, pas faites de ce que vous voulez, Caster. télémétrie ce soir. Je remercie pour Zik, si tu peux retourner dans ton chat. Ouais, Il n'y juste. aura pas de télémétrie ce soir parce que j'ai fait le bouffe. Parce que j'ai Ah pas bah cliqué sur je suis dans le lobby. Voilà, j'ai contrôle C, contrôle V la télémétrie, mais j'ai pas fait je suis dans le lobby. Le truc le plus bête, hein, voilà, que je fais tout le temps, mais là j'ai pas fait là. Donc voilà, donc il n'y aura pas de télémétrie, je suis lui vraiment mettez désolé. pas la pression. Ne me serait pas la pression, on met une pression si on veut, hein, c'est au bout d'un moment. Toute façon, je pense qu'il a bon. Et deuxième annonce, voilà, parce que bon, il y a des choses qui se passent à la VMV, et la VMV a bientôt un an, et pour ça, transition de Ah, ça, Oscur! Oh non. Ah bah C'était bravo, une double allez, ouf. Allez. allez, voilà, il a C'est tout bon. niqué, il a dit. C'est bon, voilà. Attention. Dimanche 21 mars. Des dingueries. Événement. Ah mais ça. Allez, tu refais s'il te plaît. Au secours. Hein? Pourquoi prêt? Comment ça prêt? Attends. Attendez, qui c'est qui a mis prêt? Non. Des spooky. Waikinono. Oh non. Juste envie de mourir. Hein. C'est Spooky Master Zoc ou Aikinono. Je. Je. Non mais c'est terrible là, c'est terrible. Je vais commencer à m'énerver. Je vais commencer à m'énerver. Y en a qui demandent si on recrée le truc ou pas. Bah. Ouais, ils font chier. Bah. Enfin, non, je. Mais non, si t'as Enfin. indiqué toutes tes stratégies en fait. Bah, à part si Ouais, on a non les mais. pneus. Attendez, on a un streak Ouais, avec mais les la pneus. météo. Bah, ouais, la météo, ouais, ça a tout changé. Soit après les retours et les réglages normalement sont bons donc normalement il n'y a pas de let's para, ouais, c'est ça, c'est en fait juste Ouais, si vous voir voulez, s'il y a si vous voulez, je peux passer dans les channels pour demander s'ils ont tout ce qu'il faut, bah enfin soit s'ils ont normalement pu. soit les réglages sont faits hein, donc normalement il n'y a pas Oui, de ah, oui, logiquement, oui, c'était non, c'était juste par rapport à l'essence et enfin voilà bon quoi. après l'essence au pire ils mettront en riche Ouais, au pire, il ouais. y aura sanction ouais c'est sûr mais ouais c'est que moi j'avais pas je sais pas si sur le En tout Oui, cas, c'est. y a personne qui sont en IA. Y a personne qui sont en IA. Oui, non, il y a tout le monde qui est. C'est bon, y a tout le monde, donc ça c'est cool. Mais par contre, comment dire comment dire j'espère que sur le, je sais pas, sur le stream, je crois que ça a déjà changé sur le scène. Donc je sais pas si quelqu'un a vu qui c'est qui a Je sais mis. pas. Ouais, c'est En bon, fait, entre c'est soit Nono. Despooky ou soit Nono. C'est un des deux. Ouais, Donc c'est. Mais concrètement. apparemment, ça... ouais, apparemment, ça serait. Enfin, j'ai vu dans le chat, il parlait de Spooky, si je dis Bon pas de bah conneries. écoutez, on verra ça après. Bon bah l'annonce, voilà, donc il y aura un événement avec des giveaways, comment dire, et pour ça, on met, voilà, un petit truc, ça s'appelle un Donation Goal, soirée VMV anniversaire, voilà, au-dessus, pour participer, voilà, au giveaway, tout ça, tout ce qui est récompense, etc. Et voilà, tout ça sera redistribué, VMV Trop un bien. an, voilà, mettez toutes vos meilleures emotes. Attends, ça fait chier. Et là aussi, on peut vite fait regarder le classement, peut-être. On peut peut-être regarder ça vite fait. On a un coup d'œil. Hop, 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 hop. Classement pilote Ligue B. Ah bah non, il est pas à jour, lol! Putain. Bon bah, il y aura Le pas de pouf. classement. Bah voilà, vous me faites chier. Il y aura classement s'il y aura un safety car. Voilà. Voilà, hein. Voilà, vous me faites chier. Ah! Calme-toi, Greg, calme-toi, ça y est, oui. Putain! Il s'énerve là. Oh! On l'a perdu. Ah bah merde, Oh, la la même. Kozam qui a offert sa gamme. Non! Merci! Et Merci, bien merci, joué et madame. bienvenue à CLM, Rebelle, Kara, Racing, Captain Racing, Le Smer et Jalilo. Allez, ça commence. Oh, vas-y, je commence à suer un petit peu là. Merci beaucoup, Kozam, merci beaucoup. Je veux des GG pour Bouzem et des coupes Ouais, numéro 1. carrément, c'est. Et c'est parti! C'est parti! Montez le volume et on remonte le virage! Et
Allez, c'est parti. Alors, je vous le dis, moi c'est très marrant sur ma vue parce que du coup Brutique c'est déjà à 4 secondes d'avance. Attention, oh très bon départ de Dedex. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de casse hein. Oh de la casse. Peut-être Tom est passé sur Brutique, je sais pas, peut-être. C'est incroyable. Oh non. Et le Caputo dans le mur. Et le Caputo dans le mur. Oh non, terrible. Attends, faut que je... Oh non, terrible, dans le Rédillon. Oh là 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 là, on l'a vu en fin de caméra. Oh là là, incroyable, c'est Mamochon qui a aussi pris, qui a aussi augmenté, je crois. La quatrième, ouais, c'est Doudan qui a perdu le plus. Ouais, c'est Doudan, deux places de perdu. Et il y a pas de safety car, même pas de safety car, on s'en fout. Il est mort, c'est pas grave. Et c'est Easy et Firma qui ont pris le plus de places là actuellement. Ouais, Easy 4 places et Firma 3 places, ouais. Ouais, pas mal du tout, vraiment incroyable. Ça sent l'insulte dans les channels. on est quand même pas mal. Je vais juste un truc, parce que normalement je vais faire un petit truc avant, écoutez les gars, allez-y. Mais je continue bien sûr à caster. Firma qui... Mais c'est Despooky surtout qui met une pression de malade là sur Firma, je crois, non? Ouais, c'est parce qu'en fait Firma a loupé son virage. Ok. Mais... Ah, c'est très marrant pour ma vue Brutix en train alors, de regardez aussi si Capetto est dans le canal. Hein. Ouais, on va voir. Il tournait dans le vide pour moi, Brutix, c'était très marrant. Moi je le vois pas, t'inquiète. Okay, non, okay. Il est pas là. Il doit être en train de rager dans le channel avec Shipper et Firma. Ah non, il a déjà. D'accord, il est déjà plus dans le channel. Après c'est normal, est-ce qu'il est parti dans notre channel parce que c'est la faute de quelqu'un d'autre? Non, pas apparemment. Pour moi c'est un Rédillon, hein. Pour moi c'est un Rédillon et voilà, mais bon, on verra. En tout cas, ce qu'on a c'est... Alors bon, ça bug donc je peux pas trop voir. Tom va gagner hein. Ah ouais. Ah, il y a déjà une seconde d'avance, ouais, c'est vrai que... Ah, avec ça, sur Firma, pourquoi pas. D'après l'ingénieur Shipper, il y aurait eu contact Mamochon Carpetto. Ouh là là là, attention. D'après, c'est dire. Attention, et Despooky ouais, à l'attaque sur Firma. Il y a eu des changements de ligne, j'ai vu le fait avec mon portable entre guillemets. Il y a eu des changements de ligne, il paraît. Il y a eu des changements de ligne, je sais pas si ça a été. Ouais, bah écoutez. Alors moi, normalement, ça devait commencer à 32 la course. Hein. Donc non, je devais faire plein de trucs. voilà, contact Mamochon Carpetto d'après c'est dire. Je relis ce que t'as dit. Partir rejoindre Purple June. Remontada avancée. C'est vrai que 3 places de prix pour Vexar, hein, c'est. Il est là. Ouais, hein, Vexar. Ouais, Vexar. Alors, est-ce que Coldmaster pourrait coder un truc pour que je puisse avoir les bons timers à gauche, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai un Firma à 1 minute 46 de Zahon. je me dis bon. C'est idée que si la courfa y partir dans le mur. Ouais, j'ai l'impression que Zelex a un setup qui n'est pas. Très stable. Ouais, il a la limite. Ou est-ce qu'il se surconduit? Est-ce que. Je sais pas. Par contre, je vous avoue que j'ai très envie de revenir la session. Et de revenir dans la session. Oh mais bon. Easy qui abandonne. Attention les. Oh là là. Et Slicotti. Oh, Slicotti. Et Slicotti derrière. Non. Slicotti qui a du. Bah, qui a du. Je pense qu'il a voulu éviter Easy. Et. Si tu veux quitter. Les gars, j'ai un bug. Ah ouais, j'avoue, j'ai un bug de ouf. Quand j'étais sur Master, ouais. Quand je regardais derrière, j'ai la vue de ZDX derrière. C'est oui, genre, oui, c'est normal. ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Dès que je fais en arrière, ça me met sur une autre voiture. Ah bon, non? Ouais, moi ça me le fait par moment. Erk et Master Zoc au stand avec un aileron en plus. Master 5 secondes. Aïe. Et Slicotti, Easy. Oh, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Si ça reste comme ça, j'ai gagné mon pari. J'ai déjà perdu mon pari, je crois que j'ai mis 16 moi. Non, moi j'ai mis 15 et pour l'instant j'ai mis Tom aussi. Ah non, j'ai mis ZDX. Ouais, moi j'ai mis ZDX aussi. Oh, du coup, ah Gary, pourriez-vous me réinviter? Merci, mon prince. Et c'est reparti d'ailleurs. qu'est-ce qui se passe? Il y a un duel Alfa Romeo. Un duel Alfa Romeo entre Zergling King et Anachronistic. Attention à ne pas se louper. Et là, on a vraiment surtout un combat ZDX Azone qui a rejoint. C'est bon, Azone qui a rejoint. Ouais, mode spectateur, je me trompe pas. Et Brutix est un peu sorti, je pense, avertissement. Ouais, petit avertissement. Bien sûr, on le saurait si j'aurais pas été un bouffe. Mais bon, ça, c'est autre chose. l'histoire qui nous le dira. Donc, est-ce qu'on peut rappeler pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, la météo
qui a sauté pendant la course, Thomas Erasmode. Donc il nous a dit qu'il y avait combien, 5 carrés de sec, c'est ça, si j'ai pas de conneries, ouais, et 2 ouais, carrés de fine pluie, et 1 carré de fine, enfin de forte pluie. Forte pluie, ouais, donc en tout cas, au moins, une, des inters, quoi, au moins. Je veux dire, parce que ouais. Des fois, quand c'est le dernier carré, tu sais, des fois, il n'y a pas assez pour que ça soit worth de changer. Allez. Ah, bon, alors, les, alors j'ai l'impression que Brutix et ZLX... Ah, ça y est, j'ai Brutix deuxième, là, enfin. Oh là là, incroyable, c'est bon. Ça y est, c'est là. Alors là, on a vraiment deux combats. Brutix ZLX et Despooky Firma, hein. Vraiment c'est les deux combats là qui font rage dans le début. Ouais ouais, Despooky franchement qui montrent de belles choses, hein, on l'a vu un peu mal en point à Abu Dhabi, et là franchement il se laisse pas faire, hein. Firma là il doit être là, mais putain mais il va me lâcher avec ça, William, ça. Il va passer le Brutix parce qu'il a plus de RS. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, et Shipper qui a 10 balles, 10 balles. Il va passer, ZLX est passé. Attends, c'est pas fini, c'est... Ouais, si, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Voilà, et voilà, je remercie les subs et je joue des dépassements. Super, donne 10 balles plus tard. Non, j'ai rien. Despooky qui est passé sur Firma. J'ai envie de mourir. Ouais, Despooky qui est passé. Voilà, j'ai loupé les deux dépassements. Je suis trop content. Et Zach sur Anachronistic, c'est fait, ça aussi. Ah, my bad, souris. Ouais, s'il te plaît, super. Quand tu donnes des sous, donne-le en sticker, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et déjà, avec Serre, déjà l'attaque sur Adam et Zergling. Ouais, merci d'y penser, Shipper. Vexar sur Anna. Mais comment dire, en fait, le truc c'est que, genre, à chaque fois qu'il y avait des dépassements, j'allais sur eux et je loupais le dépassement que j'étais dessus, quoi. Vraiment, genre, je décalais à chaque fois alors que j'aurais pas dû décaler, quoi. Oh, genre, terrible. À chaque fois. Non, c'est terrible. Non, mais c'est. Non, mais je suis un amateur. Dans samedi, putain, c'est dingue. Ah allez, on peut voir les pénas, s'il vous plaît. Bien sûr. Ah ouais, il y a déjà Master Zoc 5 secondes. 8 secondes Master Zoc. Ah, Roar 3 secondes. Donc les Ferrari qui sont là de bon matin, quoi. Ils sont là, ils sont chauds. Ils sont réveillés. Voilà. Ils sont prêts pour une bonne journée. Bonjour qui pite. Oh bon, Slicouti, salut Slicouti, ouais. Tu peux passer dans la loge canal si tu veux. Un mochon qui pique oh ton 5, là là il essaie oh là de... Un secteur... Que... Master Zoc. Ah, c'est Master Zoc. Oh là non. Oh là là. Voilà, j'ai peur. Je crois qu'il est... Il est en train d'enculer dans le mur. Je crois qu'il est bugué dans le mur et qu'il est cassé ça en... Ah mais il a son RS activé. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il a le RS. Et Mamochon qui... Ah mais qui... Ah donc il y a bien dû avoir un truc avec Carpetto et Mamochon, parce qu'il change son aileron, Mamochon. Ah bah c'est il possible. Change ton aileron. Je pense Marseille c'est pour égalise ça. Nous dit Stanley Ipkiss à nos plus grands désarroi. Mamochon qui s'est déplacé par air. Attention, c'est fait. Et attends mais oula ouais. Mais il y a encore un problème. Je vois et ce jeu mal codé là avec Brutix, il a passé. Oh non Mamochon. Mamochon non. Oh, dans le rédillon. Oh, Mamochon dans le rédillon. Bah oui mais des voitures sécurité. Pas comme ça. Shipper, vas-y Shipper, donne de l'argent Shipper, c'est maintenant. Et Carpetto qui doit dire chi. Aïe. Non. Non par contre ce qui est terrible c'est que. Et là. On entend dans le micro de Red Bull un gros chi. Et là, Mamochon qui a peut-être dit au revoir à la montée en Liga, là. Hein. Ouais, pour l'instant, ça fait... What ? Ça fait les affaires de Doudaon, de Brutix. Ah, ils ont peut-être un bug où ils doivent se dépasser, peut-être. Non, je crois pas. Tu sais, on connaît, voilà, mais... On connaît... Et... Oh non, me dis pas que maintenant j'ai un bug avec Tom. Tom, je le vois partir tout seul. Non, c'est normal. Moi aussi. C'est... Ah, mais attends, si, je sais. Parce qu'il s'arrête en même temps. Ah, du coup il accélère. Ah, mais... ah le bâtard. Donc... Bah attends, il y avait pas. On a dit pas, mais bon. Ah la petite dinguerie des ZDX. Oh là là, mais. Ah le non respect chez Mercedes ici. Mais bon, alors, comment dire. Oh, attendez. Regarde. Et Shipper qui a 5 balles. Merci, voilà, il a compris. Et comment dire. Il va être bloqué un peu. Ouais. Il va faire juste derrière Firma normalement. C'est des médiums du coup. Allez ouais, c'est médium, alors que le temps est en train de s'assombrir. Et chez les mers, chez les. Il va perdre du temps Doudaon. Doudaon il perd du temps. Pas vu qu'il a des médiums. Doudaon qui perd du temps. Doudaon 12ème. Bah ça va, en vrai ça va. 12ème. Ah ouais, c'est 12ème. Il ressort derrière. C'est catastrophique en vrai. Après, oui et non, parce qu'en fait, il y a 5 pilotes qui sont pas arrêtés aussi, hein, les gars.
Oui, mais bon, ouais, ça va le faire ressortir. Il est 13ème, ça va le ressortir. Quand t'es 4ème, ouais. Et là c'est Nono qui est. Je là, suis en loge. Ah, il y a des gens en loge, il y a des gens en loge, il paraît. Ah, il y a qui? Je move de suite. Alors, normalement, ouais, y a... en PS4, il y a eu un truc comme ça. Et normalement, il y avait eu un truc par rapport au classement, ça. Hello, Slicotti. Salut, Slicotti. C'est terrible, t'es arrivé, terrible. Allo? Slicotti, t'es parti pisser? Non, voilà, je suis là. Ah oui, non. J'ai pris une petite binouze, les gars. Mais comment dire, qu'est-ce qui se passe, Slicotti? Ouais, nous, encore déçu. Une sortie de piste devant moi, encore. Ouais, on a vu. Donc, la voiture qui revient au milieu de la piste, donc je m'écarte. Mm-hmm. Et je sais pas pour quelle raison Master Zoc veut me dépasser alors que je suis déjà dans l'échappatoire. Et en fait, il se rabat moi, je vois la flèche rouge. Et pour pas qu'on se touche, je donne un petit volant pour faire retour en piste, et en fait sur le vibreur, la voiture qui part, elle glisse, quoi. Aïe 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 aïe. Mais ouais, je comprends pas pourquoi Master Zog veut me dépasser alors qu'on est déjà en train d'esquiver une voiture. En espérant que tu aies des images pour lui montrer, pour lui s'expliquer, quoi. Ouais, bah... Non, j'enregistre jamais mes courses, mais voilà, c'est ce que je devrais faire, mais bon. Ça, je devais rappeler au fait. Bref, mais comment dire, faut que je me fasse un petit bloc-notes des fois. Mais ouais. Bah c'est dommage, hein. Encore on va dire un accident où t'y es pas pour grand chose. Eh oui, mais en fait les abandons que j'ai eu à part parce que je sors à cause que d'autres pilotes sortent devant moi et que soit je sais pas les éviter ou comme ici ben. Bah ça me rappelle l'Espagne, quoi, ça me rappelle un peu l'Espagne où... ouais, bah l'Espagne c'était pareil, c'était plus ou moins le même style. Ah c'est ça, c'est... Y'a que la Hongrie où vraiment t'es sorti entre guillemets tout seul. Ouais. Pour un seul, mais comment dire... C'est vraiment dommage. Bah dommage, écoute, bah on se retrouve pour le dernier Grand Prix de la saison. Bah oui, en France, hein. En France, on est... Ouais. Comment dire, mais attends, T'es belge toi, dans ce côté en plus. Moi je suis belge en plus, ouais. Putain, c'est dommage en plus. En plus, je fais une bonne qualif. Ouais, c'est ça. En plus, t'avais fait une bonne qualif, on était content pour toi et là. Vraiment bien. Ben ouais, c'est dommage, mais bon, c'est. En tout cas, bon, moi, t'as quand même un coéquipier qui marche bien quand même. T'as quand même un coéquipier qui marche bien, des spookies. Franchement, il roule super bien et. Donc on espère que tu vas l'aider en tant qu'ingénieur, pourquoi pas, et pour qu'il fasse. Et Master Zuck qui s'arrête au stand. Surtout la pluie va arriver. Hein, la pluie va arriver, donc en tout cas, on espère que tu l'aideras et que tu pourras faire un bon résultat. Ben ouais, on va essayer. On va tout faire. Et bah écoutez, merci beaucoup, Slicotti. Et puis à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Salut. Il a pas l'accent de belge en plus. Non, mais oui, non, mais j'étais à 95% sûr qu'il était belge, mais j'étais en mode genre. Une fois. Une fois. Ouais, apporte-moi une bière. Il va me commander une mitraillette, ça va pas comprendre, mais comment dire, merci. Alors il y a pas de, comment dire, il y a pas de commande. Parce que je suis un bouffe, voilà. Il y a pas de commande aujourd'hui, il y a pas de télémétrie aujourd'hui parce que je suis un bouffe, voilà. C'est bien que je me foire des fois. On l'a payé pour rien. Merci. C'est ça, voilà. Vous avez payé pour rien, là. Vous payez pour rien, les gars. Voilà, c'est chez moi l'argent, là. Non, je déconne. mais est-ce qu'on ferait pas une petite prédiction, les amis? Ouais, là, petite prédic. T'as quoi comme prédic là? Est-ce que Nono il tient un tour devant Tom ou pas? Non, on peut. Attends. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Est-ce que Vexer dans le top 3 après 3 tours? Un mort dans le Rédillon dans les 3 prochains tours. Un mort dans le rayon, un mort sans mauvais jeu de mots, mais oui, je veux dire, un abandon dans le rayon dans les 3 prochains tours. Ah, ok, Thomas, et surtout que là, ça s'assombrit vachement là en plus, là. Ouais. Mais okay, le minimum de temps, dans une minute. Ouais, c'est bon, t'as compris, Thomas Heure? Alors, un abandon dans le rayon dans les 3 prochains tours, oui, c'est l'abandon. Non, c'est pas l'abandon. Tu as parlé trop mal. Non, pardon, non, c'était pas voulu, mais c'était pour pas qu'on se trompe après. Ok, super. Eh, t'as compris, Thomas 2 T'as compris, toi, là? Aïe. Et ça va relancer. Ah ouais, mais c'est trop long, putain. T'inquiète. Ah, encore un petit peu de temps sur tout. On va mettre 3 tours. C'est Nono qui... Ah oui, ah oui. Bonsoir à tous, salut, Bill Cass.
Bilka, Bilka. Bilkas, il y a un S, il y a un S. C'est le. Et prédiction, c'est bon. Bilkas, donc. Qui. Voilà, vous pouvez Whiskas faire. Whiskas, ouais. Mais comment dire, Arima franchement, Nono qui relance. Et Nono qui relance, et c'est une bonne relance. Oh, mais tout, comment elle a changé ouais. Les deux Alpha Romeo, ouais, incroyable, les deux Alpha, hein. Qui sont 3 et 4. Hein. Je prédis, on met quoi comme prédiction? Qu'est-ce que tu mets, Asmod? Franchement, je sais pas, j'ai envie de mettre oui parce que je suis joueur, mais j'ai envie de mettre non aussi. Je mets oui. Oh, je mets oui, allez, on va mettre 8000. Oh, attention, Vexar. Et à la connaissance, 3 secondes. Et attention, Tom. À l'extérieur, et c'est bon. Allez, hop, c'est fini. Non, c'est bon, le premier tour s'est bien passé, sauf que après là, on dirait que la pluie arrive de plus en plus, donc bon. Ouais, ça va arriver. Oh, dépassement, ZNX sur Brutix. Est-ce que s'il y a un mort dans mes autres parcs dans le Rédillon, ça compte quand même? Bah non. Bah non. Ah, terrible. Dans Rédillon, il y a Rédillon, tu vois. Je veux dire, enfin, j'en sais. Ouais. ZNX Aurore, peut-être. Oh, à l'extérieur. Oh, il y a du respect, il y a du respect. Et là, Vexer. Vexer, il est bien à la cinquième. ZNX, ce virage, il aime pas. Ouais, vraiment il. Oh, Rohr qui se fait dépasser par tout le monde! Rohr qui a du mal là. Ouais. Là, Rohr il. Oh, ce qui continue. C'est normal. C'est normal, tout va bien. Les pneus se pégarillent. En effet. Les pneus, c'est ça. Tout le monde en médium. Des spooky, par contre, attention. Anna, il fait pas des gauches droites là? Anna? Fais-moi voir ça. Non, c'est. Oh là là. Attends. Il attend. Il est intelligent, Vexar, il attend le DRS. Pour l'instant, je vois. J'ai la vidéo ZDX, c'était bizarre. Pour l'instant, j'ai rien vu. Oh là, ZDX, attention à l'accélération. Ouais, ZDX, peut-être sur déjà sur Vexar. Non, s'il est intelligent, il va. Allez, les gars. Le Rédillon. Bon, mais il est pas intelligent. Après, il y a pas encore de DRS. Il y a encore deux tours. Un petit nono. Ah, c'est qui? C'est où? C'est quoi? C'est Q? Personne, ok, personne. Tout va bien. Le Rédillon, les gars, allez, un petit nono dans c'est le Rédillon là. C'est un aileron, c'est quoi? C'est un dommage. Un Vexer, dommage. Non, dommage. Allez, Master Zoc, ah, il est passé. Rohr, mais Rohr dernier déjà. Attention, Vexar. Rohr qui a eu énormément de soucis. Hein. Oh, Vexar. Oh là là. Oh là là. Je sais pas à qui la faute, parce que j'étais un peu en carrément un réalisateur, mais. Moi, sur ZDX, moi je vois qu'il freine tard, et du coup, bah il laisse pas la place avec ça. Ouais, c'est ce que j'ai cru. Avec ça, c'était. Moi, je l'ai mis en pilote of the day, avec ça, donc s'il vous plaît. Oh là. Moi, j'ai mis attention, Guillaume et Master Zoc. Aïe aïe aïe, belle bataille. On a surtout aussi Brutix Vexar et ZLX anachronistique. Oh, attention, alors là, ZLX anachronistique, je veux bien voir ça, moi. Hein. Ce combat, oh là, mais ZLX qui n'arrive pas à tenir la voiture. Hein. Ouais, il a du mal avec son setup. Surtout que là, en plus, la piste, je pense que elle se refroidit un petit peu. Ouais, là, c'est faire attention. Et Tom qui s'envole hein, sur Nono. Et Nono qui tient bien sa deuxième place quand même. Hein. C'est vrai que Nono avec ses 8 tours sur ses médiums, je veux dire. Il va y aller. Non, il est patient. Il fait peur. Ah, Zergling 3 secondes. Et c'est au même endroit qu'ils ont pris les. Non, parce qu'il y en a connu, c'était horrible. Ouais. Et du coup, ZDX qui va peut-être. DRS activé. Du coup, là, c'est le dernier tour avec. Floridium. Attends, parce que. Non, encore un tour après, non Ils sont passés. En fait, ils sont passés, mais c'est le deuxième. Attends, là c'est la deuxième fois qu'il passe sur Rédillon après la CCK. Moi c'est la troisième. Non, c'est la troisième du coup, je pense. La troisième là déjà. Il y a eu la relance, le tour d'après, ah, okay. Et du coup, mon ça fait 3. Ouais, 3. Ouais, allez, s'il vous plaît. Là, faut que quelqu'un se casse dans le Rédillon donc là. Oh dommage, soit... Guillaume. Allez, Rohr, maintenant. Donne tout. Eh putain. Ah ouais, non, bah Thomaser, c'est fait hein. C'est fait donc là. Il y a beaucoup de noms, il y a quand même 55% de noms et bonjour à la Saint. Bah bravo, ça fait plaisir pour tout le monde. 17K sont attribués à Stanley Ipkiss. Oh, Stanley Ipkiss qui se met bien. Ouais, mais je suis sympa les gars, je suis franchement mec, je donne trop moi, faut que je me calme. C'est trop pivot. Attention.
Et j'ai une oh, bonne non, nouvelle. Oh non, ZDX dans le mur. ZDX dans le mur. Oh non. Aïe, mais, aïe, ah mais il est pas mort, il est pas mort, il est pas mort, il a de la chance, il a tout oh pété. Oh là là, il toujours a tout or. Pété. Attends, on l'avait dit. Oh là hein. Là, et on sa voiture dit. Elle ressemble plus à rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Là c'est pas ZDX. Là c'est pas ZDX. Voiture de sécurité virtuelle. R Cabandog. Mais non. Oh là. Oh non. Ah mais oui, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Oh là là. Et je pense que là ça. Ça fait que tout le monde est voilà quoi. Incroyable. J'avais l'impression mais que du coup Roar et ZDDX qui se retrouvent avec le sans aileron tous les deux. Ah ouais, c'est aérodynamique et déjà plus que 13 vivants. Oh putain. Et il pleut. Et négo sur la caméra. Et personne n'est rentré, je pense que ça va pite le prochain tour. Est-ce que ZDDX va mettre des intermédiaires? Moi je sentirais les intermédiaires quand même. Je veux dire, au pire. Ouais, je pense que là. Mais là, même c'est si... intermédiaire. Même si ouais, mais. Plus après, plus fort, ça. Et non mais non, il met les softs. Non, c'est les softs. Il met les softs, ouais. Aïe, il a pas cru. Après, il faut dire que. Non, mais le truc, c'est que c'est un peu tôt. Après, c'est vrai que c'est un peu tôt. Ouais. Bah, même ça a l'air de quand même tomber assez fort, je veux dire, à voir, hein, mais. Et du coup, là, c'est la bonne affaire pour. C'est la bonne affaire pour Kinono, Zergli, Anna et Vexer. Oui. Vexer. J'en peux plus, j'ai envie d'y pépé. En vrai, là, est-ce que Brutix empêche le sacre de ZDX à ce point-là? Je veux dire, à voir. Hein. Ah bah, à voir comment ZDX se débrouille à remonter. Hein, parce que bon, il alors est dans les points pour l'instant aussi. Mais... Maintenant, il y a du Firma des Spooky surtout. Ouais, Firma qui reprend. Qui reprend l'attaque sur Discord. Il a rien cassé hein, avec ça. Comment ça, il a rien cassé je crois pas, non. Attendez. Non, non, il a tout va bien, tout est clean. Ok. Est-ce que ça pite maintenant Non, je pense pas. Non. On l'a bien vu, comment dire, dans notre championnat, enfin dans notre course. Faut vraiment qu'il a vraiment de pleuvoir pour que ce soit sec et inversement qu'il ouais. Pleuve. Ouais, vraiment, inversement. C'est, ouais. C'est je pense que là, pendant encore. Deux tours, il va falloir. Eh non, et voilà, Zergling, t'étais sûr, j'allais le dire. Oh, Zergling King, aïe. Oh, terrible. Bouge un peu quand même, parce que sinon. Oh non, Firma qui a failli se prendre Zergling King. Oh non, Zergling. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, Zergling King? Mais non. Oh non, Zerg. Zerg, il a tout. Et c'est Master Zog qui en a payé les conséquences. Oh non, Doudan qui spin. Doudan qui a failli spin et Master qui se prend Zergling King. Oh là là, terrible. Et après on dit que la Ligue B c'est plus propre que la Ligue C, mon dieu. au moins la Ligue C il se fout en l'air tout seul. Oula, Master Zog qui fait un tout droit. Ah c'est normal, il a payé. Et du coup là c'est ZDX qui pite. Ah ouais, ZDX qui va pite. Je pense que là ça commence à être compliqué pour tout le monde, je pense là. Regardez, faut regarder Tom là. Là Tom ça glisse beaucoup. Oh oui, regarde. Coup de volant. Ouais. Non, c'est bon. Allez, Nono, tiens bon. Nono, faut qu'il tienne bon. Nono, franchement, là, c'est le gauche. Il peut le faire gauche, quelque chose d'incroyable, Nono, quand même. Ah, mais Nono, là, s'il arrive à aller au bout, calme-toi. Même Anna, hein, je veux dire. Anna, troisième, regarde. Anna, ouais, qui est troisième. Bon, derrière lui, il y avait Xer. Oh non, c'est qui? C'est. Oh non, Master Zog, la classique. Master Zog, ouais, la classique. ZDX en intermédiaire. Oh, Roar, il en a, qu'est-ce qu'il fait? Mais oui, il a pit l'air. Oh putain, mais en plus il est loin pour rentrer le pauvre. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ZDX gagne du temps? Ah, pour l'instant, alors il en perd. 47 plus 47 par rapport à Master Zog, il faut voir. Ah non. C'est compliqué. Je pense que. Ouais, c'est un... Ah, mais là, DRS désactivé? Après, faut dire que Master Zog a appuyé les ronds, hein, donc c'est un peu compliqué de juger. Ouais. Tom au stand. Allez, Nono au stand. Il a accéléré, il était en Y. Attention, allez, Nono. Voilà, c'est bien Nono. Oh non, Firma! Oh, Firma! Oh là là! Oh, c'est bon, il a pas cassé. Il a pas cassé, tout va bien. Attention, Despookie Guillaume. Oh là 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 là. Guillaume qui a dû aller dans l'air parce que. Mais oui, il a dû aller dans l'air parce que des spooky. Oh, tout d'un aussi. Oh là là, cette réaccélération des enfers.
On va aller voir et là, par contre, là par contre ça profite à ZDDX, hein. Ça va leur permettre de revenir. Hein. Ah c'est sûr. Hein. Ça va permettre de revenir. Ouais, et là maintenant. Ah ouais, il est loin. L'absent pour le sauver il faut une. Oh non. C'est rare. Avec ses hard. Oh là là, oh là là. Master Zoc, très compliqué. Ouais, nouveau follow de Elazar. Regarde comment il rentre. Ah ouais. Ah ouais, j'avoue, là c'était chaud. Kennedy, ça part en couille. Vexar, c'est maintenant. Là, Ror, c'est un bon, peu compliqué. Bien joué, Tom. Tom, 9 secondes d'avance là, s'il gère bien, ouais. C'est bon. Après, moi j'ai qu'une seule envie, c'est de voir Nono sur le podium. Moi je pense qu'Anachronistic va doubler Nono. Je pense qu'Anachronistic va doubler Nono. Mais derrière, t'as Brutix et Vexer. Hein. Je le fais vraiment pas exprès. Arrêtez. Tu le fais pas exprès? Mais non! Vexa, 3 secondes de pénalité pour ZDX. Roar qui rentre au stand, c'est bon. Roar qui rentre au stand. Et du coup, j'espère qu'ils ont échangé l'aéro. Oh non! Oh là là, il s'est pété l'aéro 11 dans les stands, Roar. Oh, terrible pour Roar, c'est une course à oublier là, le pauvre. Hein. Doudaron sur des spookies. C'est chaque semaine quand même. et du coup, ZDX qui se retrouve déjà 10ème. Hein. Oh, qui se retrouve fait, déjà fait, hein. Oh, Firma, il a du mal. Hein. Ouais, Firma là sous la pluie, bon mais après il est tranquille. C'est bon. Surtout des spookies qui s'est fait gêner à mon avis là, des spookies parce qu'il était devant Firma lui avant les stands. Hein. Ouais, il s'est fait gêner. Je crois qu'il a changé son aileron. Ah, je crois qu'il a une élève de cassé, il me semble, et il a changé son aileron. Parce que là, il y a maintenant c'est Doudaron qui met la pression sur des spookies. Et là, alors attends, parce que si Brutix est quatrième, alors est-ce que. Alors attendez. Encourage pour Antlès compter, hein. Non, ouais. J'ai pas compté moi, hein, j'ai pas compté. Hein. Mais est-ce que quelqu'un peut aller voir dans le classement général qui combien gagne le 4ème et combien gagne le 10ème, je sais même plus. Oh non. Oh c'est qui? C'est Firma? C'est Vexer? Bah, c'est personne. Je crois que c'est Vexar, je crois que c'est Vexar qui a ouais. Tu commences à spin à mon avis. Ouais je pense. Ouais. Alors là par contre on va avoir un trio Brutix, Anna et Kidono. Ouais. Mais pour l'instant, Nono, par contre, il tient bien. Hein, parce qu'il était à 1 seconde 2 tout à l'heure, là, il est à 1 seconde 5. Hein, donc, franchement, très, très là, Nono, ouais. Prédiction, Brutix fait de la fin. Ouais, off. Ouais, c'est dans le vent. Et par contre, ce que je voyais, petit point Pena. Donc, Anna, faut pas oublier qu'il a 3 secondes. Et Vexer, c'est bon, ça a été là. Il a 3 secondes aussi. Non. Et ensuite, Doudou, ZDDX. Guillaume, 3 secondes, hop là. Avec Guillaume 3 secondes, Zergling 3 après, secondes. Là, avec la pluie, je pense que tout le monde va prendre 3 secondes. Hein, si ça. Excuse-moi, moi j'ai pas pris 3 secondes mercredi. Oh bah écoute, je vais arrêter de caster moi. Non mais franchement, ouais, non. De quoi? Tu voulais quoi comme point? Le 4ème et le 10ème. Bah le 4ème. Il gagne 18 points. Ouais. Et le 10ème. Le 10ème, je crois, c'est 6 points. C'est 6 points, il me semble. Ok, ouais. Donc, oui, c'est 6 points parce que c'est 7 points quand t'es 9ème. Pour l'instant, ZLX n'est pas encore champion. Pour l'instant, ZLX n'est pas encore champion. Ouais. Parce qu'il faut qu'il ait au moins 31 points d'avance à la fin du GP. Et sachant que devant lui, c'est quand même Doudaron, donc bon. Et là, il a 35 points pour l'instant d'avance, ZLX. Mais Doudaron. Sur des Spooky toujours. Alors, Ronde avec la voiture de sécurité, je pense qu'il va y avoir les wets à la fin. Hein. Je pense, ouais. Je pense. C'est possible. Et Anachronistic est à moins d'une seconde d'Aquilono. Ah, ouais, ça y est. Nono a dû faire une erreur, je pense. Hein, parce que il était à une seconde. Peut-être aussi et... le fait que la pluie a plus de technicité. Peut-être que. Ah, et ouais. Aussi, oh, attention, mais allez, Nono, Nono, faut pas qu'il, ouais. Faut pas qu'il abandonne Nono parce que là, il est non, bon, il est bien. Il est très très bien, Nono. Hein. Vraiment, c'est vraiment GG à lui. Hein. Et là, faut pas oublier qu'il y a plus le. Enfin, il n'y a pas de DRS. Donc, bon, c'est plus compliqué de doubler à la fin de la ligne droite aussi. Donc, En effet, on voit ce cop. Mais après, il ressort tellement mieux, Anna. Franchement, c'est. Ah là, moi, je suis sur et derrière, Brutix, il a un peu plus de mal à suivre la Brutix. Hein. Bah ça garde l'écart quoi, ça on garde l'écart. Ouais. Et c'est un peu compliqué. En tout cas, Doudaron des Spooky et Brutix Anachronistic et Kinono, c'est les deux combats. Et s'il vous plaît, restez en combat parce que là sinon on va se faire chier. Ouais, c'est ça. Non, on va aller faire la sieste hein, les gars. J'ai envie d'aller chercher du citron. attention.
Et Brutix, c'est maintenant Brutix qui vient de recoller ah, Anna, hein. Il vient de bah, avec, 10ème avec en l'espace une sorte de combat, le fait que ça approche, c'est un peu compliqué ouais, en effet. Attends, oh là, ça sort large pour Anna. Ouais, c'est Anna, sorti ça large. Sort un peu large, mais ça va, il garde, il a réussi à garder. Ouais, même bien, hein. C'est même très bien. Hein. Après, attention à pas prendre de. Voilà, et Zedelec se rattrape et Douda en haut, hein, à la régulière. Hein. Ouais, ouais, il a pris, il vient de prendre 2 secondes là. C'est pourquoi pas, hein, Zedelec ça la. Des spooky 3 secondes. Spooky 3 secondes aussi, ouais. Allez, plus que Firma, Brutix, et là on a le tiercé gagnant là. Hein. Là on a tout le monde là. En changeant de position, c'est Vexar qui a le plus de positions gagnées avec anachronistique. 13 et 10 places. Je sens que je l'ai mis en plus en pilote du jour. Ah ouais, Vexar, c'était sûr, hein. Il était ban calife, ouais, plaisir. Ouais. Par contre, avoir mis Luc en gros jean of the day, c'était une grave erreur. Aïe, ah, c'est. Écoute. Ah, voilà. Ah, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Il a déçu du monde. En tout cas, Tom, normalement, ça devrait aller. Tom, ça devrait aller. Oh, des spooky qui sorti. Attention avec Doudaron. Oh là là, oh là là là. Oh, oh, ah, Doudaron. Il a cassé avec ouais, ça. Ouais. C'est vrai qu'il a pas. Oh, des spooky a plus de place. Oh là là. C'était chaud là. Ouais. Mais on est d'accord pour dire que des spooky avait très peu de place pour lui, malheureusement, le pauvre. J'ai pas trop vu parce que j'étais en caméra. Ouais, mais bon, faut oublier qu'on est sous la pluie non plus, on est sous la pluie donc bon, ça se déporte assez facilement. J'étais en caméra, j'étais en caméra, comment dire, réalisateur, donc j'ai pas trop vu. Bande d'enculé. Par contre, là, les Ferrari qui sont dans le mal, hein, la Ferrari, va falloir revoir tout ça, hein, parce que bon, 12ème et 13ème, on dirait les Ferrari de 2020, quoi. Mais eux, ils terminent les courses. C'est vrai que voilà, ils sont devant. Ouais, ah ouais. Prédiction. Let's go Nono, nous dit Sparta. En effet, Nono rate deuxième Nono, franchement, hein, 6 ans. Franchement, Nono là, moi je suis son fanboy là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prédiction, les gars? Est-ce que Nono reste sur le podium à la fin du GP? Est-ce que Motix va sur le podium? Est-ce qu'on peut faire plein de trucs? Ouais, Nono s'amuse sur le podium à la fin du GP. Est-ce qu'on est partant là-dessus? Allez, ouais. Thomas je pense, ouais. Super enjoué, mais c'est parti. Ah, pourquoi pas, vous juste, cassez les couilles juste, mais voilà. Si tu veux, tu peux ne pas casser. Tu n'es pas prisonnier. Je ne suis pas payé. Ouais, c'est vrai que non, nous on fait ça bénévolement, les gars, faut pas l'oublier. Kinono sur le podium à la fin du GP, donc on en cas, on aussi on, avec les pénalités, bien sûr. Hein. Pénalité. Oui, bien sûr, il y a tout qui compte. Bien sûr. Voilà, donc il reste plus que 5 tours, hein. 6 tours. 6 tours. 6 tours. 6 tours. Et pour l'instant, l'écart est gardé entre les 3. Donc, mis à part une grosse erreur. Bah là, je me dis, c'est que bah, ça reste comme ça. Au pire, même si il dépasse les 2, Equino sera jamais à plus de 3 secondes derrière quoi, quoi. Je veux dire, genre, c'est ça, je pense qu'il tient le rythme là pour l'instant. Donc, je vois pas pourquoi. On ferait pas. Allez. Oh, y'en a un, il a fait un all-in sur. Ah ouais, 23K. Là, ouais. Sur le Wii. Ah ouais. Allez, moi je fais un all-in sur Nono. Attends, aussi. Mais Anna il passe. Anna il passe peut-être Nono. Non, mais pas maintenant. Allez, attention. Extérieur. Ouh. Et ça, c'est... Oh, Equino. Non, c'est respectueux. Oh, c'est respectueux. Equino voilà. Qui s'est battu pour essayer de la place. Hein. Ouais. Genre vraiment. Allez, c'est... Nono. Allez, Nono, 6 tours. Putain, j'ai mis 7000 sur toi. Tu devais. Des spooky au stand. Des spooky au stand. Et what pour des spooky. Ah, allez, Nono, t'es très grand. Allez, t'es très grand. Au bout. Au bout, mon garçon. Et pour l'instant, personne n'a voté non. Eh les gars, là, vous mettez juste. Oh là. Oh, et Brutix face à Anna qui a fait une erreur. Aïe aïe aïe. Mais Anna, il a pas dit son dernier mot, je pense. Jean-Pierre. Perno. Alors. Oui. Et pour l'instant, c'est 2K sur le nom. Il y a deux personnes qui ont dit non. C'est au même mettre 1. Tu mets 1 sur le nom. Tu gagnes 2000. Ouais. Je veux dire là. Tu mets un petit cas sur le nom là, c'est. Ouais, petit que soit fair play, laisse Nono deuxième tranquillement là, s'il te plaît. Alors, mais c'est pas grave, s'il est sur le podium, c'est bon. Et des spooky. Ouais, bon, Anna, voilà. Des quoi. Spooky qui perd du temps. Hein. Des spooky qui perd du temps hein, sur le. Ou non, peut-être pas. Ah, c'est. Oh, par contre, mais. Brutix, Master RS. Oh là là, Aquino qui a fait les speed dans le mur. Je crois. Oh putain. Tu crois ou ouais si c'est vrai qu'il a perdu un petit peu de temps ouais, il a perdu. Je l'ai vu c'est...
Oh là 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 mais Brutix, 100% de RS, hein. Brutix il est bien, Anna il est bien aussi, c'est, bah, c'est le moins, celui qui en a le moins c'est Akinono là du trio qui se bat. Là on a une belle bataille pour le podium quand même, hein. C'est beau. Ah là c'est très très beau. Et par contre, Nono est bien ressorti. Et c'est Anna aussi qui est bien ressorti. Oh non oh non. Il est passé. Du coup Anna, peut-être. Oh, ouais, Anna, du coup, Anna va être comme, voilà, une bombe. Attention, oh là là, qui part. Respect s'il vous plaît, monsieur. Oh, ouais, bon. Oh, putain, ouais, ça va. La caméra réalisateur qui a décidé de me troller, de mettre le côté droit d'Anna Kunisic. Vraiment, c'est j'adore. Oh, ouais, Brutix, là, ça y est, il est parti, je pense. Oh, ça bloque les. Là, c'est un nono maintenant d'essayer de gérer sa fin de course. Et... Mais je pense que ça doit être compliqué avec les inters là. Hein. Ah bah là. Est-ce qu'il pleut pas trop fort là, il faut voir des spookies comment il s'en sort avec les wets. Il perd du temps des spookies encore sur Master Zoc. Hein. Ah ouais. Je pense que c'est encore l'entre-deux, tu vois. L'entre-deux, de... ouais, c'est pas encore le moment de mettre les wets, mais Master Zoc 3 secondes. J'aurais aimé voir 3 secondes de Brutix, je t'avoue. Le Nexar qui remonte, hein. Le Nexar qui remonte. C'est vrai, bah là, les 3 se battent, hein. Les 3 se battent, donc. Ouais, il remonte doucement, mais sûrement. Donc, bon, bah après, il a quand même 3 secondes, mais bon. Alors, voyons voir. Il est plus qu'à 8 secondes, il n'est plus qu'à 7. On va voir un peu des spookies, comment ça se passe. Ouais, non, pour l'instant, il a perdu. Ah, quoique, là, il vient de reprendre. Il reprend, donc après, ça dépend si c'est la conduite ou si c'est. Ouais, ça dépend aussi des secteurs, des endroits où ils sont et tout ça aussi, donc. Non, tu vois, c'est toujours équivalent à peu près. Ouais. Bah, voilà. Ah, j'ai un petit bug de. Pour l'instant, c'est. En fait, c'est les inter usés et les wets, ça se vaut, je pense, pour l'instant. Ouais, non, même il perd du temps. Donc, ouais. Non, je pense que. Bon, ouais, je pense qu'ils vont essayer d'aller au bout. Là, il faut faire une gari en Espagne, là. Faut aller au bout avec les inter. Ouais, bah ouais. Hein. On sait comment c'est fini. Ouais. Le petit shipper. Ah, attention. Et Anna peut-être. Anna. Attention, allez non, Nono, tu le gères, voilà, tu passes la 8, tu ralentis s'il faut. Là, il perd du temps ici, hein. Il ralentit. Oh là là, il va peut-être y aller du coup. Non, je pense pas, il est trop loin. Nono, il est trop loin. En plus, c'est bien, Nono, là, il a économisé un peu son ERS. Ce qui fait qu'ils sont au même niveau à peu près tous les deux, Anna et Nono, donc. À la 4 mais là, jours, franchement, une seconde partout. Là, faut qu'il la joue intelligemment, Nono. S'il voit qu'il se fait doubler, il se fait doubler, c'est pas grave. Mm. Il voit qu'il a 3 secondes, donc il reste derrière lui. Et puis, secteur, c'est qui? C'est ZDX hein? Non, c'est Tom. Ah non, c'est Roar qui a pété son aileron. Ah, c'est Roar. Oh, terrible. Il fait quoi? Et qu'est-ce que. Oh là là. Ah oui, il laisse passer Tom. En direct. Ok. GG well play. Alors du coup, et Nono qui a réussi à mettre un petit gap à Anna. Ouais, voilà. Moi, je comprends pas. C'est vraiment le RS de Guillaume et de Doudaron qui est vraiment. Très oh non quoi. Des spookies. Des spookies. Ah, terrible. Des spookies dans le Reddit qui a cassé. Oh là là. Bam. Bon ben. Oh là là. Allez hop. Fini la course, s'il vous plaît. Voiture de sécurité virtuelle. Eh, voiture virtuelle. Est-ce qu'on pique pas là? Est-ce que Tom ne pitait pas? Bah après Tom, tu pites ou pas? Ouais, Tom il pite? Non, il pite. Allez hop, la feinte. Après, mais aussi il faut dire que il a peut-être spiné à cause des wets, hein, je veux dire. Ouais, il a peut-être spiné à cause des wets. Il pleut fort quand même, hein. Mais bon, il pleut fort, mais. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, Roar qui rentre. Ah, mais là, tu perds trop de temps à s'arrêter, hein. Ouais, non, tu perds trop de temps, je pense, et puis surtout que c'est parti. Y'a pas de dress-roux, Anna qui a perdu énormément de temps. Mais qu'est-ce qui se passe sur Nono. Ah ouais, il a perdu énormément de temps. Après, est-ce qu'il a pas voulu au moins s'utiliser... Ouais, il a voulu. Même Vexer, il a perdu du temps. Hein. Mais tu sais, je veux dire, Anna, là, il est quatrième, mon pote, c'est le GP de sa vie, hein. Genre, ouais, voilà. Sur Nono, s'il te plaît. Guillaume qui revient sur Fermon. Eh oui, c'est vrai que derrière on les voit pas trop malheureusement, parce qu'il y a pas trop de bataille. SDDDX qui est plus qu'à 5 secondes de Doudan. Hein. Ouais, et bon, il était à 8 secondes il y a 18. Ah, il a profité. Oh là! Oh, c'est qui? Non, c'est Roar. Ah, il laisse passer. Et du coup, ouais, il laisse passer. Et là, on a un Doudan Guillaume Firma qui commence à se former là. Hein. Ouais. SDDDX 3 secondes. Ouais, bon, il doublera pas. Allez, c'est qui?
Ah non, c'est... Non, c'est Roar qui... Okay. Allez, plus que Firma, et là on a le tiercé gagnant. Ça nous fait la petite colonne de pénalité. C'est vrai. Ouais. On peut aller voir le niveau... Ah, je pense que c'est quasiment fait, moi. Parce que là, du coup... Go pour la, pour, la 3... ouais. Pour la 3ème place, ça va être compliqué hein, pour le championnat, parce que du coup, même Auchan qui est abandonné, Douda en 8ème. Bah là, c'est Boutique, c'est... Et Boutique, c'est Tom qui part, hein, qui part ouais, pour le podium. Hein. Part, ouais, ouais. Attends, c'est 30, 27 ça pour le premier 8ème ouais. Place non, c'est 27 points pour la première 27, place. Avec 27, 23, avec 23. Tour, c'est 28. Ah, donc 27, 23, ça va faire. Boutique reste devant Tom au classement général. Mais mais comment dire mais là pour la deuxième place en France va y avoir une grosse bataille entre Tom et Brutix hein. Ouais. C'est compliqué les interlocuteurs. Ah oui, et Nono qui on regarde pas mais qui a l'attaque ouais. Sur Brutix. Ouais, c'est bon, après Brutix a 100% de RS. Oh, ça glisse beaucoup quand même pour Brutix. Non, il en a, mais c'est qu'il. Non, il en a, c'est qu'il est tout de suite utilisé ce tour-ci. Ouais, il en a 76, il est bien là, à Nono. Ouais. Et Anna, ouais, Anna, il est assez loin, ça va, Firma, enfin, Vexter aussi. Comment ils font peur avec le RS activé quand ils réaccélèrent. Ouais. Allez, Nono, attention, enlève ton. Voilà, c'est bien, enlève ton RS. Gars, là, tu as ralenti. Oui. Non. Oh non, là. C'est le fait que Brutix s'est ralenti, non. Non, c'est Nono qui est parti. Nono à la manette, oui. C'est vrai que le Radion. Mais bon, c'est pas grave, il a encore un tour. Oh, secteur 3. Ah, c'est une Ferrari. Ferrari, c'est Roar ou c'est. Non, c'est Master Zone. Ouais, non, c'est Roar qui laisse passer. Ouais. Bon, ouais. Roar qui a pris un tour par tout le monde. Mais comment dire. Là, ils ralentissent tous dans le Radion. Hein. C'est. Ouais, attends, mais les Wakes à 5 dixièmes de 2 ans. Eh ben, c'est des decks que. Attends, mais là il a juste fait une remontée de 5 secondes en 2 tours là. Et en pénalité. Oh, dedans, oui. Oh putain, les deux là. Oh là là, ça glisse. C'est trop dur. Après, là, Zedex a 3 secondes de plus de pénalité que Doudaron. Hein. Ah, il a 6 secondes de Zedex. Ouais, il a 6 secondes de Zedex. Hein. Oh, terrible. Ouais, mais là en vrai, vu la vitesse. Oh là 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 là. Oh là là, ça glisse de partout là. Là, c'est. Mais regardez comment il pleut. Oh là là. Bienvenue en Belgique, les mecs. Est-ce que va y avoir un mort au Rédillon? Non, s'il vous plaît. Oh, sauf Nono, s'il vous plaît. Oh, Nono. Nono. Attention, ZDX, sois patient, s'il te plaît. Nono, il a. Oh, ZDX, il est pas patient. Non. Mais c'est Doudan qui a raté un peu. Oh là. Et Kinono sur Boutix. Il a double Boutix et Kinono. Oh oui. Allez, Nono. Non, vous. Incroyable Kinono. Oh non. Oh là là. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Boutix. Allez, vas-y, mon garçon, Boutix. Allez, Boutix. Oh, allez, voilà. À l'intérieur. Voilà. Ouais, dis-lui bonjour. Ouais, c'est vrai que ça. Croise-le. Il va croiser. Non, il peut pas. Ah, il peut pas. Oh là là. Nono, juste gère le dernier tour, s'il te plaît, Nono. Prends des spookies, fais attention, des spookies. Fais pas de bêtises, des spookies. Des spooky, fais pas de bêtises s'il te plaît. Il y a la bookie dans le sas, s'il te plaît. Des spooky, il est en train de sortir. Il y a un train là derrière, il y a Firma, Guillaume et dedans. Des spooky qui a spin. Ouais, il a spin, mais du coup il laisse passer. Allez, Nono, s'il te plaît. Le Rédillon pour Nono. Ouais, ils ralentissent tous. Oh, ils ont tous ralenti. C'est bien, Nono. Allez. Oh, on est sur le. On a un ZDX. Oh non. Non, ZDX dans le mur. À la Réaxel. Ah, y'a Doudan qui a failli spin et ZDX qui s'est. Oh là là, terrible. Ah là, c'est le dernier tour de l'enfer. Nono, tu gères. Nono, tranquille. Ça sent que je suis pour Nono, non? Oh, pas trop, ça va. Ouais, t'es impartial. Impartial, sûr. Vexer à 7 dixièmes de Anna. Ouais, en effet. Par contre, j'ai gueulé dans ma part, je crois qu'on m'entendait même dans le métal dessus. Allez, Nono, c'est bon, tranquille. Tranquille, Nono, voilà, c'est bien, t'assures. Ouais, il est en train de perdre la voiture là, et Vexar qui va peut-être en profiter. Oh là 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 là. Ouais. Et Vexar... par contre, des spookies, fais attention. Hein. Vexar, ouais. Oh là là, Vexar. Attention, Vexar, pas de bêtises. Pas de bêtises. Pas maintenant. Pas de bêtises. Pas après. Ouais, on le voit là, des spookies est tellement plus rapide que. Que, ah oui, que, les inter. Allez, Nono. Dernière ligne droite et t'as ta deuxième place. T'as ton premier podium.
Allez Nono. Allez, on va regarder attention ça. Et Tom déjà. Attention, on va regarder déjà Tom qui finit cette ouais, course. Le gauche. Voilà, le gauche qui ralentit. Attention. Oh là là, il nous fait Tokyo Drift. il se permet des choses. Et bravo à Tom. Allez. Et Vexer qui double attention, à la joystick. Qui s'est foiré avec la joystick. Il a des dégâts. Oh non. GG à Nono. GG à Nono. Deuxième place. Nono deuxième. Protix troisième. Vexer quatrième. Anna cinquième. Et attention derrière, ça se bat encore. Hein. Ça se bat attends, encore. Guillaume. Peut-être là, Doudan. Oh là là, oh, ça freine. Oh là là, c'est des boules. Firma, il a rien demandé. Attention. Oh non. Ouais, avec Guillaume. Oh là là. Et Doudan qui passe, incroyable. Ouais. SDD Dex qui va qui finit avec son aileron. Finit 9ème quand même, 9ème, belle performance quand même. Attention à finir quand même 3 secondes devant Zergling King. Attends Zergling King. Je pense que ça va le faire. Oh, j'ai eu un problème. Attends, mais il fait quoi? Oh, j'ai eu un problème, désolé. ZLX, c'est fait. 9ème. Zergling King, 10ème. Master Zoc, 11ème. Despooky, 12ème, ça c'est sûr. Et enfin, Roar, allez, Ferrari, cette course a été un... D'accord, donc Roar, il a le droit de finir alors qu'il s'est pris un tour, pas tout le monde, là? Mais non, il a pas passé d'allée. Bah, il a passé d'allée. Bah oui, mais bon, vu qu'il s'est déjà pris... regarde, Spooky s'est fait prendre un tour et... Bah oui, mais et alors? Là, il y a... Il n'était plus prêt, Il va se prendre deux tours, Roar. Bienvenue en Formule 1, frérot. Mais non, mais c'est ça, pour moi, il avait déjà passé, c'est pour ça. On cherche le cerveau d'Asmode, tu veux le... Ah, super. En tout cas, on voit que... Qu'est-ce qu'il fait, avance, frérot, fais un truc. Non, allez. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quoi? Mais bam! Mais pourquoi il avait ça? Ouais, il voulait. Faut. Bon, allez. Change de cap. Allez! Bravo à tous les pilotes! Incroyable! Salut Carpet, dis donc, comment vas-tu? Mal. Bonsoir! Ouais. En fait, je voulais m'excuser auprès de ma mochon. Parce que du coup, je veux pas y faire chier. Parce qu'en fait, je vous explique le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, j'ai eu une désynchro. Ah. Et du coup, on m'a parlé de pilote, j'ai serré parce que. Ah ouais. Au premier turn, j'ai fait une merde sur Romain Mojon. Donc ça, je m'en excuse. Et après, en fait, dans Redion, moi, j'ai vu Brutix en fait en Y comme s'il spinait en croix rouge. Donc j'ai voulu l'éviter. Et je pensais en fait que ma mochon m'avait mis un coup de roue et qu'il m'avait sorti en gros en mode pas fair play parce que j'avais un peu niqué les ronds juste avant, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, il a montré les pauvres là dans la salle des pilotes. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes pauvres. Genre, en fait, moi, dans l'idée, je suis en train d'esquiver Brutix. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, lui, il a juste vu un connard qui vient Redillon qui freine d'un coup comme ça. Et je sais pas pourquoi, quoi. Et moi, je comprenais pas. En fait, je pensais qu'il avait serré, qu'il m'avait sorti parce qu'il a envie de me sortir. Genre. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre, j'ai encore une des synchros. Donc, je pense que ça vient, tu sais, quand on a fait la course test et je me suis barré là. Je suis en faire exprès comme un con. Je pense que j'ai encore une des synchros. Et du coup, bah, ça c'était incompréhension. Je comprenais pas pourquoi il m'est sorti comme ça. Bon, au moins, il y a eu une explication. Il y a eu une explication, il y a eu tout ce qu'il fallait. Du coup, il y a un mea culpa. C'est très bien de. Non, je m'excuse. La semaine prochaine quand même. Franchement, honnêtement, je vous le dis, c'est bug de. Enfin. Moi j'adore F1, tu vois, mais c'est terrible tous les bugs qu'il y a. Genre à la fin, c'est. J'en viens à m'embrouiller avec des gens et tout, alors qu'on ne devrait même pas s'embrouiller. Parce que, comment dire, t'as un mec en gros qui a une vision de la course que toi t'as pas du tout la même, tu vois. Enfin, à un moment donné, c'est problématique. Genre. Enfin, je sais pas s'il y a des mecs de Codemaster qui regardent le jeu, putain, faites quelque chose. Enfin, à un moment donné, c'est fatigant, quoi. Franchement, c'est fatigant. Le jeu, il est pété en 10 000, quoi. En effet. C'est terrible. Bon, en tout cas, merci d'être venu t'expliquer. Merci beaucoup. Non, là je vais faire mon mea culpa, my bad, parce que du coup je vais niquer sa course, le pauvre. Parce que j'ai quand même fait de la merde sur le premier turn, genre ça j'ai fait de la merde. Au moins il y a eu une explication, c'est moi c'est tout ce qui m'importe, c'est qu'il y a eu une explication, il y a eu mea culpa. Au moins moi je veux que tout le monde se couche entre guillemets avec les éclairs. En tout cas, merci El Capito, quand même, dommage, hein, c'est en dommage, et comme tu le dis, c'est sûr que F1, écoutez, multijoueur. Ah, encore des choses à revoir. Faut voir avec qui est-ce que ça donne. J'espère qu'avec qui est-ce sera beaucoup mieux parce que là.
C'est... Je pense que c'est terrible. C'est vraiment dommage parce que vraiment, ce jeu, il manque plus que le multi pour qu'il soit vraiment parfait entre guillemets, bah, ce ouais. qu'il donne ouais, c'est entre guillemets. Ça, l'idée, c'est ça. Donc bon bah en tout cas, merci d'être venu t'expliquer, El Carpeto, et on te souhaite une bonne semaine. Une bonne semaine. Bah vous aussi, et encore désolé à Mamrochon, franchement je suis désolé. T'inquiète pas. Parce que j'ai fait un peu de boucher sur le premier turn, mais du coup voilà, quand on n'a pas du tout les mêmes... Quand on n'a pas du tout les mêmes... le même jeu, ça porte à confusion, et du coup j'ai serré comme un connard, genre je me suis emporté, alors qu'en fait la base il n'y avait rien, quoi. Donc voilà, je m'excuse. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et voilà, je laisse finir. Encore désolé. Voilà, des bisous. Ciao les gars. Et on accueille Vexar. Salut Vexar. Comme il n'y a personne qui est du podium. Comment ça va, Vexar? Ça va. J'ai cru que j'allais commencer à briller. Écoute. Voilà, cette petite ban qualif, c'est quand même parti pas mal de choses, je veux dire. C'est quand même pas mal, non? C'est un avantage aujourd'hui, je pense. Ah, écoute, moi ça me dérange pas. Et je te remercie parce que j'ai parié pour toi en période du jour. Voilà, tu m'as fait plaisir. Ouais, moi aussi. Franchement, je fais plaisir. Tu fais plaisir à tout le monde ici. écoute, raconte-nous un peu de qu'est-ce qui s'est passé depuis le début, quoi. Eh ben, en fait, tout simplement, au début, au premier virage, j'ai pas voulu me lancer dans la foule, je les ai laissés partir directement, j'ai pas pris de risque. Après, par la suite, j'ai fait un ou deux dépassements, je crois, il me semble. Ensuite, j'ai essayé de rattraper Anachronistique, qui avait un super rythme aujourd'hui, faut le souligner. Franchement, il a très très bien roulé, j'ai eu du mal. Si je lui avais pas mis la pression à la fin, je pense que j'aurais terminé derrière lui. Bah c'est vrai, c'est la petite erreur qui a fait que même à un moment il a fait une petite, je crois que c'est la relance de la safety car virtuelle, il était vraiment beaucoup plus loin que... Ouais, il était à 3 secondes de Nono. Ouais. Je pense qu'il a voulu jouer safe. Pour lui, même là, il m'a envoyé un message, il m'a dit « P5, il était vraiment trop content parce que voilà, pour lui P5 c'est vraiment incroyable. Donc voilà, mais en tout cas bravo avec ça, hein. Fait plaisir de te voir à cette position là. Bah, ça me fait plaisir aussi par rapport à la semaine dernière, c'est sûr que... Et voilà, c'est sûr, mais... Et normalement, il n'a pas eu trop... On devrait pas trop devoir la commission normalement dans ça. Non, c'est bon. Non, c'est toi, c'est bon, tranquille. C'est bon, pas d'avertissement avec ça. J'ai des propres. C'est bon. Il n'y a pas de ban de qualif France, on est sûr. Non, en tout cas, bravo à toi, Vexar, et puis vraiment, on espère que la France te portera autant de succès que pour la Belgique. Hein. Ah, en espérant, on verra bien, je train et on verra bien tout ça. Bah merci beaucoup, Vexar. Ciao. Ouais, merci à vous tous. Et allez, ciao. Brutix. Yo. J'avais pas été sur toi pour la victoire, Brutix. Ah, la P3, hein. Terrible. Ah ouais, non, là, je suis... Là, c'est... Dommage. La pluie, c'est compliqué pour toi, quand même, non, j'ai l'impression. Bah, en fait, c'est que j'avais un setup sec, et aussi, j'ai perdu beaucoup de places à 7-6 quarts. J'ai perdu 4-5 places, à cause de SDD Dex, qui a... Je sais pas si c'était volontaire, mais qui a ralenti, qui m'a fait avoir un delta de plus 6 secondes de delta, et du coup, j'ai ressorti loin dans le trafic, et du coup... Logiquement, pour remonter, c'était pas aussi facile, et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps là. T'as entraîné dans ta chute Doudaon, du coup? Du coup aussi, et que ouais, et du coup, après Doudaon, c'était une galère pour lui aussi derrière, et... catastrophe. Ouais. Et aussi pendant la VSC, sous la pluie, j'ai laissé trop d'espace avec le Delta, et du coup, Aiki s'est rapproché de fou sur moi. Ça, c'est... J'ai perdu 2 secondes sur ça aussi. Et du coup, il m'aurait pas rattrapé. Ah, c'est dommage. Mais bon, quand même, au moins, ZDX, t'es toujours pas champion, donc tu peux, t'es toujours potentiellement. Tu peux être champion encore, potentiellement. Donc c'est quand même quelque chose, hein. T'es encore deuxième, normalement. Si on a bien calculé, parce que tu t'es fait. Non, je suis troisième. Comme il y a. Ah, ouais, comme tu fais du temps passé par Aquilano, tu crois que t'es troisième maintenant. Et c'est vrai qu'il est prédit, il faut encaisser les prédictions, Thomas Zer. Ouais, s'il te plaît, je veux mes thunes. Une erreur.
T'inquiète pas, t'inquiète pas. La thune, nous dit Shipper. 33K ont été attribués à DC Sparta. Oh là 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 là. DC Sparta qui se fait plaisir. Comment dire, bah, en tout cas, bravo quand même encore pour ce podium. Et merci. Enfin, je pense que là, tu mets une belle pièce sur la montée en Liga, hein, avec Tom. Je pense que maintenant, il y a avec Firma 6 et 12-7, Guillaume 8 et Mamochon, qui est abandon. Je pense que ouais, ça, vous avez pris des bons points qui font plaisir et donc vraiment bravo à toi. Et pour le constructeur McLaren, normalement, qui assure sa P2 du coup. Et là, je peux pas dire. Okay. Normalement, oui, parce que ils ont pas rapporté beaucoup de points à Racing Point. Hein. Non, sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Brutix, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Putain, tu t'es remis vite alors. Ouais, on s'est remis vite, c'est vrai. Ouais. Mais comment ça va ouais. Comment il va, notre petit nono? Hein, l'outsider. Alors, le podium, ouais. le podium, ça fait plaisir, hein, parce que je pensais qu'il y a qu'en réaliste où je pourrais arracher des podiums. Et bah non. Ah bah non. Maintenant, on va me respecter sur la piste. Mais c'est quoi ce rythme de malade? Bah, je roulais safe. Non, je sais pas, je faisais couler en plus, j'avais peur que si ça pleuvait pas trop tôt, que les pneus soient usés, alors j'allais doucement, j'accélérais jamais à fond, je sais pas. Du coup, j'avais un bon rythme, cool, hein, tant mieux. Mais par rapport à Tom... Mais je veux dire, t'as quand même gardé, enfin même doublé, Brutix à la fin, t'as gardé Anacronis... Enfin, inespéré. J'ai vu Brutix qui prenait l'avance. Après, j'arrive à son cul, je dis ok, il a dû cramer toute l'essence ou je sais pas. Et après, je vois sa petite faute, je dis oh, faut y aller là. Oh, incroyable, inespéré. Et génial. Et comment dire, on a votre fan numéro 1 sur Zoom. Bonjour Spartoublier. Le coach qui m'a empêché de mettre des hardes au début. Allô. Ah, les communications, il va revenir. Ah, mais il m'a empêché de mettre des hardes, il m'a sauvé quoi. Non mais les gars, j'étais en compliqué, j'arrive dans le channel de Nono, il me dit allez, hard inter, j'ai commencé à hard inter. Il n'y a pas de hard sur Spa, tu me fais médium inter et tout. Ouais. Et du coup, médium inter, et franchement, il a regardé Tom dans les yeux aujourd'hui sur le rythme. Oh, non, Tom, après, il a pris 10 secondes, il a arrêté de pousser, Tom. Tom voilà, ouais. Non, mais ouais, laisse-moi rajouter un peu. J'ai juste quand même Brutix. Il y a un peu de crème, Brutix. Voilà, mais comment dire, voilà, je vais juste inviter le votre fan numéro 1. Chapeau à tous les pilotes, Brutix, Anacronis, avec qui on s'est battu. Cassez-vous, je t'aime pas. Je sais pas comment ça s'est passé derrière, mais j'espère que devant, on a honoré tes recommandations de début de course qui sont respectez-vous, faites-vous plaisir. Ah bah vous êtes, c'était vraiment, il y a eu du respect, c'était plaisant parce qu'en fait vous étiez l'une des seules batailles qu'on a suivies dès qu'il a plu en fait. Même toi, j'ai vu quand exemple, Anna a essayé de te doubler à la fin de la ligne droite là. Ouais, là, cette défense interne. C'est comment dire, t'es vraiment forcé à lui laisser la place même si il pleuvait. Et ça, ouais, enfin ça s'est vu quand hein, tu tournais ce volant à droite. Ouais. Pas de dinguerie, pas d'aileron, s'il vous plaît. Si on était un podium propre. Chevaux, c'était en deux chevaux, on aurait vu faire comme ça avec son volant là. Ouais, à tourner à vive allure. Non, mais c'est vraiment bravo à toi, Kinono. Et puis on se retrouve pour la semaine prochaine. Pour je ne pense pas encore un podium. Enfin, je veux dire, après, on va confiance. On va essayer. On va tout tenter. Et écoute, moi je suis. Mais là, même au classement, je pense que quand même, je pense qu'au classement là, tu prends des bons points là. C'est ouais. Mais en tout cas bravo et puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes, merci Gary, bravo. Ciao. À tous les pilotes et on dit bonjour à Tom. Incroyable Tom, premier. Bonjour messieurs, ouais. Alors ça fait plaisir ça non? Voilà. Tom, merci à Smod. Je peux dire merci à Smod. Voilà, tu peux me dire merci juste en fait. Je suis vraiment, c'est un truc de dingue. Je vote pour des gens dans le sondage et c'est les gens pour qui je vote qui il leur arrive des malheurs. Parce que là, il a voté pour ZDX complètement. Ouais, j'ai voté pour ZDX. Il a fait sa pire course de sa vie. Hein. C'est clairement.
Ouais, j'avoue. C'est honteux. Je vais avoir des menaces de mort dans mes DM après de Dex. Mais une course en CLM, quoi, non ? Je veux dire, ouais, une course un peu en CLM, ouais. Ce que je disais à Brutix, là où il perd le Grand Prix, c'est quand il me laisse passer au tout premier tour, juste avant le raidillon. Il a eu peur, il a freiné. Et puis après, on t'a vu partir et c'est fini, quoi. C'était. Ouais. Non, mais là. Il y a eu ça, et puis après, je me suis dit, quand il y a eu la voiture de sécurité. J'étais derrière Nono, je me suis dit, il faut que je passe tout de suite. Parce que ça me permettait de mettre un trou après. Ouais. Ouais, c'est sûr que. Comment dire. T'as eu la chance, entre guillemets, de passer vite Nono. Parce que Nono, quand même, était un très très bon client aujourd'hui. Ouais. Sur la pluie, ouais. Sur un très très bon client. Donc, t'as eu de la chance de le passer rapidement. Ouais, c'est pour ça que j'ai accéléré jusqu'à que j'ai eu 10 secondes d'avance. Et puis après, après sous la pluie, franchement, j'ai géré. J'étais tranquille. Quoi. Cette fin de course, compliquée, non? Ouais, ça glissait. Ça glissait beaucoup. C'était horrible. On aurait dû mettre les wets, mais bon, à deux tours de l'arrivée. Oui, c'est sûr que normalement les wets auraient été mieux, mais comment dire, c'était compliqué, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, à la fin, je roulais. Même Despoki qui a mis les wets, il a spiné à 4 tours de la fin, donc tu vois, c'est les wets, mais c'était chaud, quoi. C'était chaud. Mais bon, ça fait une victoire là. Ça fait plaisir. Dernier GP un peu compliqué. Tu reprends ta deuxième place, je crois, normalement. Je sais pas. Parce que c'est plus de 6 points. T'avais 6 points de retard. Et donc, normalement, je crois que tu apprends. Tu redeviens deuxième, normalement, si je calcule bien. Ouais. Donc, et tu prends surtout une bonne. Une bonne pastille sur le fait de monter en Ligue A. Parce que concrètement, toi et Brutix, vous avez fait un très très bon résultat par rapport à Firma, Mochan qui a abandonné, Doudaon qui est aussi 6ème ou 7ème, je sais plus qui, mais voilà quoi. Ouais, donc, tout à fait. Vous avez quand même pris des bons points maintenant. Faut pas abandonner en France, quoi, maintenant. Mais vraiment, bravo, un vrai fan de Vettel, putain. Quoi? Ah oui, parce que tu spins sous la pluie. Alors, je suis sûr que quand Azelec ça spin le dernier tour à cause du demi-spin de Daron, il était quoi ça sur son volant? Ouais, je t'avoue, il était voilà. Mais il n'a plus parlé, et puis on en discutera plus tard. Ah ouais. Mais après, concrètement, en fait, c'est Doudan qui commence à spinner et Zedet qui a voulu l'éviter, et c'est parti, quoi. Ouais, je suis dégoûté pour lui parce qu'en plus, il avait un bon rythme, on était bien parti au départ. Ouais. Et puis, ouais. Après, ouais, qui vient en loge, vas-y, on va rester en loge. Voilà, Zedet, bonjour Zedet. Bonjour Alex. Bonjour. Alors bon, première question que j'ai avec Alex, c'est surtout le setup. Qui est-ce que c'est que ce setup? Tu demandes ça à Thomas Zier, mon gars. Non, j'ai pris son setup, mais j'ai dû merder, je sais pas, j'étais en 2-5 alors que je sais pas. Ah ouais, mais c'est surtout sur la qualif déjà, t'as fait que un temps. Ouais, on a vu que t'avais du mal. J'ai fait qu'un temps, j'étais à deux doigts de me foutre dans le mur aussi. Alors. Ah ouais, le virage Pouhan, bien sûr, vous connaissez tous, compliqué à chaque fois. Hein. C'est genre, on a failli te perdre à chaque fois, hein. à chaque virage, c'était un enfer. Mais ouais, donc un premier spin, si je me trompe pas, et puis après, ouais, sous la pluie de Daron, qui demi-spin et toi qui essaye de l'éviter, c'est dommage. Mais bon, au moins, comment dire, tu 9ème quand même, 9ème, c'est quand même pas dégueu pour la course que. Franchement, c'est éclaté. Ouais, c'est éclaté, mec. Écoute, je veux dire, t'as cassé ton aileron deux fois. 9ème, moi je trouve quand même c'est quand même pas mal. Je veux dire, t'as pas abandonné 20ème, quoi. J'avais envie de me foutre dans le mur, mais vraiment. Ah ouais. Attends, c'est un flow de Kylian Bourdin. Merci. En tout cas, tu n'es donc pas champion encore. On verra ça en France la semaine prochaine. Il sera largement champion avec une victoire. Avec 3. 3 prétendants au titre, on aurait la Piston Cup, mais 3 prétendants au titre, ZLX, Tom et Thomas Zeriasman, en fait, juste voilà, pour être champion en Ligue B. Mais en tout cas, bonne chance à vous les Mercedes, on se retrouve la semaine prochaine, et en tout cas, bonne semaine à vous, tout ce que vous faisiez.
Bon, après, je passerai dans les channels, je dirais, vous dire bon, tout ça, on verra. Et on a passé les 300 follows! Incroyable! C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, ouais, je me souviens et je l'ai oublié. Ah bah super, super. Parce que, super. Merci beaucoup, Tom. Allez, à plus, les gars. Salut. À plus. Merci à toi, Tom. Et merci aussi à tout le public. Merci à vous. Et je le rappelle, je voulais rappeler, mais on va le rappeler maintenant. Mais hop, je le remets. Voilà. Dimanche 21 mars, l'événement des 1 an de la VMV, les gars. Hein? Pourquoi ça fiche plus? Si, si. Ah, ah ouais, non, bah non. Ah, mais non, en fait, ah, est-ce que faut que je le fasse lire en boucle. Ok. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il était pas affiché, parce que j'avais pas mis lire en boucle. Et donc, quand j'ai regardé, il avait disparu, mais en fait, il était là. Oh là là, oh mais... le bouge. Oh là là, oh là là. Donc voilà, donc encore fait par notre graphiste adoré. Voilà, merci encore au graphiste. Donc voilà, dimanche 21 mars à 18h30, ça commence avec un Q, avec quand même une petite course, voilà. All Star PS4, donc c'est les 10 premiers. Non. J'ai pas lu mon texte. Attendez. Non, mais, c'est pas les 10 premiers de la Ligue 1 avec les 10 premiers de la Ligue 1. Normalement, c'est ça, normalement, c'est ça, je crois. Oh putain, il va falloir vite que. Et Marseille que perd 2-1 sur. Oh mais putain, mais. Ouais, Marseille perd 2-1. Yes mais putain, donc après à 20h-21h30, Entrailles remise des VMV Awards, PS4, PC et giveaway. 21h30-23h, All-Star PC. Voilà, pareil. Et je ne pourrais même pas être là, je suis un peu déçu. Je voulais bien voulu faire les All-Star, mais bon, c'est pas grave. Je serai aussi casté par moi. Oui, je crois que ce sera casté par moi. Oui, avec Zerkling King, je crois. Mais c'est pas grave. Voilà. Au moins, je casterai, je serai là. Voilà, dimanche, j'ai toujours ma voix. Dimanche, c'est juste ma voix, en fait, les gars. Donc, il y aura bien sûr des giveaways sur le stream. Avec tirage au sort dans les abonnés de la chaîne. Et là, c'est très important, les abonnés de la chaîne. Donc, si vous voulez avoir des cadeaux, faut s'abonner, les gars. Voilà, c'est un petit ticket de loto. C'est un petit ticket gagnant. Voilà, mais comment dire. Le maillot spécial anniversaire, bon d'achat, Steam, PSN, d'une valeur de 10 euros aussi. Comment dire, en giveaway. Ça sera incroyable, ça sera incroyable. Voilà, c'est pour fêter les 1 an. C'est trop bien. Parce que c'est même presque 1 an, bientôt 1 an que je stream sur la VMV aussi. Hein. Ouais, ouais. Parce que c'est moi, c'est mi-avril que, normalement, que j'ai fait 1 an de stream. Donc vraiment incroyable. Un an. Pour moi, j'avais commencé à streamer vraiment beaucoup plus tard. Et non, ça fait depuis avril avec Cornetto que j'ai commencé à streamer. Je crois que c'était le 19 avril, hein, si je ne me trompe pas. Donc bon, vraiment incroyable. Que d'aventures depuis. Que d'aventures et vraiment la VMV. Merci encore. Moi, je prends du plaisir. Je ne sais pas si vous prenez du plaisir, les gars, mais moi, je prends du plaisir. C'est ok, mais en tout cas c'est vraiment cool et j'espère qu'il y aura le plus de monde possible pour fêter c'est un an de la VMV et voilà on verra Thomas Zer en tant que pilote je crois hein, voilà parce que bon je crois qu'il est vers les premières places hein, bon voilà c'est un peu un mec un peu fort quoi mais bon je vais essayer moi je suis aux portes des All-Stars. Ah, t'es combien toi? Je suis 11e. Ah, je suis 11e. Si y a un désistement, tu seras là. Donc en fait pour moi, c'est. Pour moi, là, c'est mon objectif de la fin de saison. Là. L'objectif de partir, oui, parce qu'on. T'as dit quoi? Eh? Il y a un cash prize pour le record. Non, je ne crois pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas Zer. Merci beaucoup, Asmode, pour m'avoir accompagné encore pour ce cast de folie. On va encore dire que c'est une masterclass, en fait. Hein, je ne vous inquiétez pas. Mais, merci beaucoup à Shipper qui nous met 15 balles. On peut la remettre, la barre des dons ici. Elle est au-dessus. Voilà, barre des dons pour son anniversaire. Merci aussi à Bouzam pour les 5 dons aussi. Merci beaucoup. Vous pour les 5 dons aussi, voilà. Donc voilà, merci vous, merci Shipper pour aujourd'hui. Merci à aux spectateurs d'être venus sur le stream. Et écoutez, je vous dis la semaine prochaine. Et comme je suis pas connecté sur le truc VMV, alors est-ce que je peux me connecter vite fait sinon je peux... Et on se retrouve demain soir pour la Ligue PS4, Ligue A, Ligue B, Ligue C. Et petit changement pour la Ligue APC mardi soir à la place de mercredi. Parce c'est que vrai. Mercredi, il y a... C'est vrai, PSG Barcelone, ça, voilà. C'est vrai que ça, c'est à préciser. C'est mardi la Ligue A, c'est mardi, c'est et non pas ah ouais. et non pas comment dire mercredi.
pour un cause de 8ème de finale. Donc voilà, donc n'oubliez, faites attention, hein, on fait attention, on se trompe pas sur le jour, demain PS4, après-demain, comment dire, Liga, et dimanche bien sûr, Ligue B, et vendredi, Ligue C, voilà, donc en tout cas, merci beaucoup, je clôt, pas de réel, parce que je suis pas connecté dessus, donc voilà, pas de réel, voilà, je suis un schlag, mais c'est pas grave, merci à tous, au revoir à tous, et voilà, ending, on met le truc ending, et voilà, salut, salut. Thank you.